Madame, Monsieur, bonsoir et merci au besoin nous pour nous l'émission spéciale, le nouveau projet de loi qui le gouvernement vient présenter, Good Governance and Integrity Reporting Bill. Comme à tout projet national, ce nouveau projet de loi qui le gouvernement vient introduire là, et suscite un débat et aussi une passion. Good Governance and Integrity Reporting Bill, c'est une la loi qui pour intéresser à ban dix biens, qui ban dix moun fin amassé grâce avec ben activité illégale comme ben la drogue ou bien ben activité terrorisme par exemple et qu'aussi li pou intéresse li à ben fortune qui ben di moun in amassé mais qui pas capable d'expliquer comment je t'in gain ça dit bien là avec nous un porteur d'invité l'on nous plateau et qu'aussi un public pour participer dans nos ben débats et on a le plaisir présente l'émission avec Kevin Tapessard et aussi Sylvana Parimamène. Bonsoir Sylvina, effectivement nous avons aussi plusieurs invités sur ce plateau qui vous gagnent l'occasion. Explique-nous la raison d'être et le fonctionnement même de ce projet de loi qui peut venir là. Nous avons le ministre Roshi Badin, ministre de la Bonne Gouvernance et des Services Financiers et aussi de l'ICT. Nous avons Madame Rubina Jadou John Bokos, PPS et légiste, et également l'Attorney General Ravi Yerigadou. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, Sylvina. Bonsoir, Kevin et les téléspectateurs. Bonsoir, messieurs, dames. Aussi, dans le, sur le plateau, un public relevé, qui Sylvana Parimanen, vous présente-nous. Bonsoir, Sylvina, madame, monsieur, bonsoir. Donc, effectivement, avec nous, dans le public, Nguyen Ban, représentant MRA et Ban représentant l'ICAC. Donc, au courant de l'émission, nous pouvons gagner l'occasion, écoute, Zut Ban, question. Et puis aussi, Libon, nous connaît qui, maintenant, public, pour capable, participe à l'émission. Donc, nous avons trois numéros de téléphone qui nous mettent à Zut disposition. Donc, ça, trois numéros de téléphone là. Nous avons le 433-79-37, le 433-79-38 et le 433-79-92. Nous avons la ligne téléphone qui est déjà ouverte, donc maintenant public, capable déjà commence téléphone nous ou bien pour un témoignage ou bien pour poser cette question à nos trois invités qui sont sur le plateau et nous pouvons donc relayer cette bonne question-là à nos invités.
Donc, l'émission qui, pour contribuer à l'exercice de communication qui, monsieur le ministre, ou même il a commencé, il y a une fin forum avec plusieurs acteurs sociaux et économiques. Mm-hmm. Alors, si nous guettons bien, c'est dans, depuis ça l'année-là, et ben, événement qui nous succédait, nous finissons à l'impression qu'il nous ben la loi peut bien fonctionner pour traquer ben des mounes qui finissent faire ben délits financiers, même si ben nous ben institutions parfois capables de faillir. Pourquoi introduire un nouveau la loi pour traquer ben richesse illicite? Alors, laissez-moi commencer par dire à Selvina que ça, la loi-là, c'est une la loi qui, pour promouvoir l'intégrité, ça c'est la première chose, et aussi, d'après le principe de bonne gouvernance. Il pour sens fondamentalement fonctionnement de nos sociétés, comme on a fait à Maurice. Et dans quelle façon? C'est parce que tout le monde qui est dans leurs ans, qui ne sont pas capables d'expliquer quoi de source était, et ils ont acquérir ben, des biens immobiliers, bateaux, la case, terrain, bâtiment, mais je peux bien faire face à un process que finalement un juge de la Cour suprême est capable de décider si, et non, ce qu'on appelle un explain wealth, ben une richesse qui est injustifiée, et du coup, on n'a pas qu'à expliquer que le gain casse là, mais il est là, il est capable de donner l'ordre pour saisir ça dit bien là. Alors, nous connaissons déjà qui dans la société mauricienne, et non, une série d'activités, par exemple, ben du monde qui vend la drogue, ben du monde qui fait fraude. Nous avons beaucoup de Ponzi schemes et qu'il y a une somme phénoménale qui circulait. Ben Ponzi schemes, nous ne trouvons pas milliards. Hein, en termes, nous trouvons avec Dodson, Kai, Je t'aime marketing, l'affaire BAI. Nous trouvons dans le cas de Vaqua Multipurpose Society, une coopérative, un milliard, une société coopérative. Alors, il y a beaucoup de cas qui peuvent circuler, mais il y a beaucoup de biens qui acquérir aussi avec sa bande d'argent qui n'est pas qu'à expliquer d'autres choses. Alors, ce qui est arrivé, c'est que dans le monde entier, il y a énormément de modèles. En Australie, en Irlande, là, en Angleterre, il y a énormément de modèles qui peuvent mettre en place. À Maurice, nous décidons pour passer la loi avant-gardiste qui a complètement dans la ligne le mandat que nous gagnons avec le peuple. Et quel est ce mandat? C'est surtout remettre une plateforme juste, équitable, pour refaire nos sociétés, basée sur une culture de travail, une culture de discipline, une culture d'éthique. Et que ben, des gens qui font des affaires illégales et qui enrichissent autres, ils ne sont pas bénéficier de sa richesse qu'ils ont accumulée là. Alors, finalement, quand on assise, quand on a une situation, par exemple, où on a un parent qui lui dit à ses enfants qu'il est bizarre à apprendre pour lui passer l'examen, et en même temps, lui dit à lui qui vous connaît, tu parles fait une étude tertiaire, et après, il est là, tu as un bon travail, et qui est capable, un jour, bien sûr, acheter un appartement, acheter un. En la case, mais de l'autre côté, on a un voisin qui lit, lui peut faire toute mon activité qui n'est pas bizarre, et lui ramasse une somme d'argent phénoménal. Ce garçon lit, puis roule grand, grand loto, Mercedes, BMW, etc. Et advienne de vous dire, ce garçon qui peut apprendre là, lui-même lui demande son parent, lui dit, mais qui fait un mot que vous avez fait, c'est qu'il te dit, comme vous trouvez sa qualité d'argent là, sa qualité de richesse là, puis display l'autre côté. Et il crée une imbalance. Mais plus que ça, si nous guettons par exemple l'inflation qui crée dans le côté immobilier, par ben l'argent qui dit mon qui se mal gagné, mal acquis et qui se talaste ben dit bien, mais aujourd'hui, si un dimoun finit sur l'éducation tertiaire, il peut prendre l'eau, n'est qu'à la banque pour y aller un appartement, mais en bas 5 millions, il peut gagner un appartement décent. Et la raison qui fait qu'il peut payer un prix beaucoup plus fort, c'est parce qu'il y a des gens qui ont leurs hommes mal acquis, mal gagnés, qui peuvent prendre la Stéban, qui peuvent pousser sa prix là-haut. Et ils peuvent prendre l'aune, ils peuvent payer ça pendant 20 ans, 30 ans, jusqu'à qu'il y ait 50 ans. Mais toute cela vie inaffectée par le fait qu'il y a une plateforme qui est inéquitable, une plateforme qui est injuste. Et ça, la loi-là, Livine remet en perspective tout ça. Et il fait de sorte qu'il nous vienne un pays transparent, un pays qui a beaucoup plus de substance, qui a dans une culture d'intégrité. Et c'est ce qui ça en Irou Jagnat, si Dieu peut faire. Oui, monsieur, et peut faire. Monsieur Bada, donc, vous pensez qu'avec le but, l'objectif même de cette loi-là, il y a une unanimité. Il y a une unanimité qui nous fait trouver un pays dans la presse. On en parle beaucoup ces derniers temps. Mais c'est surtout sur le fonctionnement, sur les détails de ce projet de loi qui peut-être il y a quelques questions à clarifier. Par exemple, nous pouvons bien passer par un amendement à la Constitution. Et donc peut-être, dans le cas de l'Attorney General, Ravi Regalou, explique-moi un peu qui est la procédure qui nous pouvons bien passer pour nous faire un amendement à la Constitution concernant la propriété.
Bonsoir tout d'abord à tous. Deux, trois affaires bien importantes. Première quitteuse, c'est qui? Vous connaissez la constitution de Maurice, c'est la loi suprême du pays. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a la mort de la constitution. La constitution garantit ban droit, ban citoyen de Maurice. Un de ces droits-là, c'est le droit à la propriété. Mais avant qu'il me vienne sur la constitution, sur l'amendement qui nous peut faire, dans le sillage de ça, la loi qui nous peut voter au Parlement-là, il est important qu'il me dise où Maurice est un état de droit, et principe de séparation de pouvoir, il est immuable, et il est totalement protégé là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un système important de safeguard, il y a un checks and balances, et l'exécutif avec le judiciaire, il y a une claire et nette séparation. Donc, section 8 de la Constitution, il garantit sa droit qui est là à la propriété. Nous permet un amendement, section 8.4a, déjà il y a un safeguard, c'est-à-dire nous avons causé un peu le test proportionnalité, tout ça là, parce qu'il est un peu dans l'actualité. Mais l'amendement constitutionnel, premièrement, ce qui est important, premier objectif, nous pouvons faire ça l'amendement là pour qu'il nous assure nous-mêmes. Il y a un safeguard additionnel qui saisisse dans un cas bien précis, qui est capable, comment vous trouvez sous la loi, que le ministre peut expliquer en détail d'intimement avec tout ça, man safeguards, là, qui est capable, un juge de la Cour suprême, émettre un ordre pour confisquer ça, man dit bien, qui peut établir, qui man dit bien mal acquis. Donc, ce pouvoir-là, qui peut être dans la loi, donc le Good Governance and Integrity Reporting Bill, il peut passer le test de la constitutionnalité. Maintenant, et pour bien gagner une majorité de trois corps pour faire vœu de ça. Évidemment, quand on peut amendre la Constitution, un droit fondamental, comme le droit à la propriété, il y a un autre safeguard, comme vous connaissez, une majorité de trois corps bien pour voter la loi. Là. Mais on a le plus loin que ça. Qui ça l'amendement-là, Pévin Dianou. Pévin Dianou, dans la Constitution Maurice, pour une nouvelle section 8.4AA, un nouveau paragraphe qui peut dire où. Si l'inétabli, qui est un dimoun, qui est un ownership, une propriété, dit bien, qui est disproportionné, et ça bien important, il est disproportionné par rapport à ce ban emolument, ce ban l'argent qu'il recevoir, ce income, bien, si il est aussi dans sa possession, dans ce contrôle, dit bien, qui lui-même n'est pas capable d'expliquer qui manière il gagne ça. Ou bien, et ça bien important, parce que le novelty dans la loi que le ministre peut amener là, c'est ses affaires servies par un prête-nom. Vous connaissez, ou faire un dimoun détenir 10 biens pour vous. Vous connaissez, qui appelle un prête-nom. Donc, si un dimoun peut détenir property, pour un autre dimoun qui est disproportionné à income, un emolument qui gagne, il n'est pas capable d'expliquer ça. C'est ça trois scénarios-là qui sont amendement constitutionnel dans la section 8.4AA, il peut capturer. Alors peut-être là, nous sommes capables d'expliquer un peu les richesses inexpliquées, Monsieur le ministre, ou bien Madame Jadu John Bokes qui avait intervenu alors là. Disproportionnate, il y va cela. Et moi, son gâteau pima qui va un gâteau pima, il y en a 2 millions de roupies dans la banque, il est capable d'acheter une propriété, par exemple. Il est capable d'un père, il dit, comment on peut expliquer provenance de sa propriété-là? Est-ce qu'il est concerné par ça, la loi-là? Non, laisse-moi expliquer moi, Lola, très vite, avant de me donner l'occasion au Bina. Et maintenant, ça, dans une conférence de presse de l'Environnement Goulam, j'ai dit que les médias m'ont mort sans dalle pourri, que les médias m'ont sans en bilan, m'ont sans confit. Il n'est pas nécessairement sans Cotomili, mais bon, c'est sans Cotomili aussi là-dedans, qui est capable d'être affecté. La question, c'est faux. C'est qu'il est complètement faux. Qui fait? Parce qu'il nous cause un explain wealth. Nous cause la richesse qui est injustifiée. Nous cause unjust enrichment. Et vous connaissez, tout à l'heure, comme on peut expliquer ça, ou vous trouvez, après une flowchart, comment le système l'a amorcé. Mais l'exécutif n'a aucun pouvoir. Toutes ces histoires de pédia ou outils politiques, c'est pas qui était. Impossible. Pour la simple et bonne raison que ce soit l'agence qui supposait faire sa travail administratif pour review NK
particulier, ou bien le board qui est appelé à prendre une décision qui est chaired par un juge, retired judge de la Cour suprême ou un juge du Commonwealth, avec ce DACCR, de prendre une décision, bah, vous y a une caisse, la Cour. C'est la Cour qui décide. C'est le judiciaire. We are in the safe hands of the judiciary. C'est vrai que vous expliquez tout à l'heure le processus. Comment les définir la structure. Absolument. Ouais. Mouvin l'a talé. Mais si je me dis, où est-ce que ça fait? Ça, si cause qui peut recréer là, c'est complètement faux. Parce qu'il ne peut cause richesse, unexplained wealth. Et la Cour, qui veut dire une wealthy person, qui veut dire un djimoun qui riche. C'est relatif, ça. Mais exactement. Ou pas qu'à dire, moi, un petit djimoun qui peut vendre dans le bruit, un petit djimoun qui peut vendre confit, un djimoun qui peut vendre un morceau en bilan, il y a un djimoun qui est unexplained wealth. Et la Cour, ben, le juge de la Cour suprême, à Maurice, je peux interpréter ça comme étant une richesse que vous pouvez établir si pas Djimoun a une Esteban Property et qu'elle saisit ça. Mais c'est complètement faux. Monsieur le ministre, c'est que Djimoun, peut-être, certaines, c'est qui nous font entendre quelquefois à la radio et dans la presse, c'est qu'ils peuvent penser que ce voisin, par jalousie, peut dire que ça, c'est un beau voisin, il y a une morceau d'al pourri, il y a une réussite à une Mercedes. Comment il fait ça? Mais nous mettons une caisse contre lui pour nous poser un problème comme si pour nous amener de lui. Est-ce qu'il peut avoir ça la loi là? Est-ce qu'il peut inquiéter ça Djimoun? Non, Kevin, du tout. Si Djimoun n'est pas concerné par ça la loi là, nous tous nous connaissons qui nous peut causer là. Nous peut causer un gros morceau de la drogue qui est en par millions, sinon par milliards. Nous peut causer un politicien qui prend bribe. Nous peut causer un Djimoun qui fait fraude. Nous peut causer un Djimoun qui enrichit d'une façon illicite et qui servit sa casse là. Vous êtes à l'acquérir un Djimoun bien dans Maurice qui peut créer une imbalance dans la société mauricienne. Alors, un morceau d'al pourri, s'il y en a 10 la case, il y en a 5 bateaux avec 4 Mercedes. Mais les là, il n'est plus un petit du monde. Les là, il vient une wealthy person. Alors, et c'est la Cour qui détermine ça. Mais ça, la loi-là, ce n'est pas du tout pour un petit du monde. Tout le monde qui veut faire peur, c'est une stratégie parce qu'ils ont peur à eux-mêmes. Laisse-moi dire où. Et une fine cause aussi, l'existence d'une économie parallèle. Mm-hmm. Hein, et par qui et pour qui ça a l'économie parallèle là? Est-ce qu'il y a une valeur qui ça a l'économie là peut gérer? Oui, absolument. Je me donne l'occasion, Roubina, expliquer un petit peu. Après, je vais vous parler. Merci. Bonsoir tout le monde et merci, Rochi. Et au fait, si je suis capable de dire, quand je n'y ai pas là à première vue, je trouve lui très très bien. Parce que justement, il épouse sa philosophie qui nous peut dire là. Nous peut dire un île Maurice intègre. Un île Maurice, quand l'économie peut démarrer, quand on a un deuxième boom économique. Mais comment on fait ça? On fait ça avec un développement, une économie, comment on peut dire, parallèle qui allait en même temps, mais qui en même temps, il sauve tout man instance de la loi. C'est un petit peu inquiétant. Parce que comment nous pouvons amener ça et comment nous pouvons mettre un lot dans tout ça là? Parce que finalement, ce qui nous peut causer, retourne la valeur qui tient tout le temps à Maurice. Quand la Constitution est venue en 1968, quand il votait à l'époque, Djimoun est simple, il y a une autre façon d'opérer. Pas il y a un crime white-collar crime comme on a aujourd'hui. Pas il y a un crime sophistiqué, que, bon, nous pas dire les crimes, quand on trouve lui, on peut penser que Djimoun peut faire un investment, mais après, quand on trouve, on réalise exactement qu'il est arrivé, c'est une ponzi derrière là. Mais Ponzi, c'est une innovation dans la criminalité qui appartient à l'époque, si vous voulez tout code pénal à l'époque, appartient. Donc, de plus en plus, nos pays que tu parles, mais quand Djimoun là, il assise, il quitte ce pays. Mais aujourd'hui, comme Rochi Finfek Diali, moi, Djimoun honnête, je peux travailler, je peux inculquer les valeurs dans mes bons enfants, je peux dire l'honnêteté, etc., etc. Et je peux dire content nos pays. Et en même temps, qui m'a fait montrer mes enfants, mais toi, tu peux apprendre, tu peux prendre un an, mais ton camarade, mm-hmm. peut aller, puis elle fait toutes ces bonnes affaires-là, il peut gagner une tentation, il peut faire une petite chose qui n'est pas bizarre, et il peut devenir millionnaire overnight. Parce que c'est vrai, hein, millionnaires ont mushrooming overnight in Mauritius. Mais comment c'est expliquer qu'il est... qui, malgré qu'il n'y a pas la loi comme APOCA, Assets Recovery, ou bien MRA, Mauritius Revenue Act, comment expliquer qu'existemment, Djimoun, il dormit leurs ans comme ça, monsieur le ministre? Ben, c'est justement la raison qui fait une mise en vigne avec ça, la loi qui nous peut venir là. Est-ce qu'il savait l'ancienne loi là, il avait une faille, une faiblesse qui ne remarquait Définitivement. Non seulement il y a une faiblesse, mais c'est mon système là, c'est un tout autre système. Dans la loi qui vous peut mentionner, Prevention of Corruption Act, qui régit le fonctionnement de l'ICA, quand vous pouvez get, par exemple, Asset Recovery Act, ce sont ben, la loi qui touche au pénal, c'est-à-dire un système criminel. Système criminel veut dire qu'il peut faire une enquête contre un Djimoun. Against the person.
Et après, si ce monde-là l'est trouvé coupable d'un délit quelconque, il est là où il y a une offense sous la loi, où il y a une peine d'emprisonnement, une lamane, etc. Ici, nous ne pouvons pas du tout un système criminel. Nous pouvons cause une action against property. Il n'est pas une action contre un monde dans la loi-là. C'est une action contre un bien immobilier qui dit monde-là a acheté. Éclosant illicite ou soit éclosant qu'il n'y a pas expliqué ce sous ce côté. Mais derrière la propriété, il y a un dimoun. Non, attendez, excusez-moi. C'est un système qui au civil. Alors, la première question que vous me posez, moi, l'ICAC fonctionne pareil, comment tout le temps l'infer, il n'y a aucun problème. À cette recovery qui deal avec ce qu'on appelle proceeds of criminal activity ou soit an instrumentality. Par exemple, si un dimoun prend un bateau, il y a le délivré la drogue, sa bateau-là n'a été clause en propre, mais seulement bateau-là servi dans sa transaction-là, il y a un instrument, alors il y a un droit saisi. Ça, c'est asset recovery, ce travail. Ici, ce qui nous peut causer un système civil, ce qu'on appelle unexplained wealth. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il vous peut dire, ou quand on vend la drogue, comme on vendait, ou quand on fait fraude, comme on fait, ou quand on fait comme corruption, ou quand un politicien on prend comme casse, on prend, mais seulement zou ou poil acheter un terrain, ou pour l'acheter un bâtiment, ou pour acheter une property bleuto, ou bien un bateau avec ça, mais les là ou risquer qui un jour, quand ou pas capable d'expliquer quand cela sorti, qui ça, la Cour suprême capable de donner l'ordre pour saisir ça. Mais monsieur le ministre, qui m'a dit hier dans le forum débat avec tout le monde qui était là, c'est que même avant qu'un dossier traité, ça, la loi là, il peut finir sans Maurice. Qui fait? Parce qu'il y a un monde qui risque 30-40 ans de prison pour y aller vendre la drogue et il réussit à gagner un casse-là de se lamer. Ou soit un monde qui fait une grande fraude et il est d'abord un scheme bien sophistiqué et il réussit finalement à gagner un casse-là de se lamer. Ou bien il prend une bribe, il casse tout le monde, il réussit à gagner un loge en corruption. Mais quand il fait un casse-là de se lamer, qui lui fait un casse-là? Mais à ce jour, ça, la loi-là, les bisins, soit fouillent un trou dans ce jardin, les gardent là-dedans, ou soit, s'il y a un petit peu plus entreprenant, les cassent un cofo, les mettent casse là-dedans, cofo, les gardent côté-là, mais ils ne peuvent pas acheter un terrain, ils ne peuvent pas acheter un bâtiment, ils ne peuvent pas acheter grand loto, à le faire grand display de wealth, de richesse dans la société. Et c'est ça qui est important. Parce qu'ils ont dit, quand ça tient du monde là pour manger l'olari, ils connaissent qui. Ça, du monde qui peut gagner l'argent d'une façon injustifiée là, il n'est pas capable de venir étaler ça en public. Il n'est pas capable d'en 10 la case, il n'est pas capable d'en 5 campements, il n'est pas capable d'en 10 le tout. C'est ça qui fait sens fonctionnement de la société. Zispol, ça la loi là rentrée, ça va dire qu'on n'a pas pour prendre ça risque là. Parce qu'il dit, mais tout ça, c'est faux, on fait pour qu'aucun pour vendre la drogue là, l'argent là, rentre dans une propriété, il va être saisi par l'ordre de la Cour suprême. Oui, mais est-ce qu'ils ont prendre le risque? Ouais. Avec alors peut-être statut, l'attorney general intervenir et puis nous prenons tout de suite une question. Deux minutes avec Sylvana et Ravier Rigadou. Vous connaissez, nous vivons dans Maurice. Nous avons le bazar, nous avons le cimé, nous avons le dimoun. Nous connaissons la réalité mauricienne. Ça a fait qu'il nous dit qu'il vient d'aller là. Qu'arrivé c'est un voisin par jalousie, il a le fait une fausse case, comment dire. Mais nous ne pensons ça. Et dans clause 23, ça la loi là, il nous dit à dimoun, fais bien attention. Jalousie nous connaît pour faire une mauvaise quitteuse. Elle existait dans nos sociétés. Donc, c'est un dimoun qui n'a pas jalousie ou les autres motifs, mais c'est une fausse case qui nous dit qu'elle est fausse, elle est malicieuse ou bien elle est vexatieuse. Et c'est arrivé à établir ça, elle fait face si elle la cour condamnée. Évidemment, elle la man n'excédant pas 50 000 roupies et jusqu'à un an en prison. Donc, c'est une affaire bien sérieuse. Et d'ailleurs, quand tu as l'air, le ministre peut expliquer où. La philosophie derrière la loi, quand vous êtes close par close, as it unveils, comment nous dire, vous trouvez la philosophie très claire, très cohérente, très logique dans la société que nous pouvons vivre, Zodia Maurice. Avec vous, Sylvana, pour les questions du public. Nous avons une question de M. Joseph de Cassis. Donc, lui demander, est-ce qu'il y a un héritage qui a été gagné, donc des Soban parents ou y a grands-parents, et si ça m'a un grand dimoun là, ça m'a un grand-parent là, pas de déclos, ça a l'héritage là dans le passé, et donc les inhérites, ils ont dit, est-ce qu'il n'y a pas un délit sous ça, la loi là? Non, il n'y a pas un délit définitivement, parce que premièrement, il y a une clause dans la loi là qui a une rétroactivité de 7 ans. C'est-à-dire la loi là, il n'est pas applicable à partir de 2009 jusqu'à maintenant. Et laisse-moi finir qu'il y a ça issue là. Vous connaissez quand on utilise la loi là,
Moi, je me suis venu avec une proposition pour me dire qu'ils nous mettent la loi là, juste pour être vivant, c'est-à-dire le futur. Nous mettons la loi aujourd'hui dans Maurice qui pousse en ce fonctionnement de la société pour les années à venir, pour la génération future. Et quand nous débattons, nous causons, tout mon collègue avec State Law Office, avec Sir Victor Glover, qui est consultant du parquet, qui met la loi là, indépendamment de tout le monde, lui aussi. Et bien sûr, c'est un consultant britannique qui travaille là. Je viens de nous faire, Si vous faites comme ça, c'est-à-dire que vous avez 10 divans, mais là, vous pouvez donner une amnestie à tout le monde qui vend la drogue dans Maurice et qui n'a pas été bien, et tout le monde qui fait fraude, et tout le monde qui fait cocaïne, fait corruption, etc. Si vous donnez ça à amnestie là, les commandes, vous pouvez blanchir la monnaie, tout ça, et le gouvernement peut faire avec une connaissance de cause, parce qu'il peut dire que la loi là pas existe dans le futur et pas dans le passé. Maintenant, parce qu'il y a une loi civile, comparé à la loi criminelle, pas un droit normalement rétroactif, parce qu'il n'y a pas un droit. Aujourd'hui, vous allez passer la loi, vous faites une affaire, une offense, après vous dire comme ça, mais il applique à dans le passé, 10 ans de cela. Il n'est pas possible ça. Il compte la loi, il compte la Constitution. Mais pour une case civile, quand Ndimoun poursuit Ndimoun, c'est ça qu'une case civile, mais normalement, la loi prescription appliquée, la loi prescription de Maurice, il dit 10 ans. C'est-à-dire qu'automatiquement, sans qu'il enseigne la loi là ou dire quoi que ce soit, la loi prescription fait qui, dans une case civile, lit à 10 ans en arrière. Mais quand le parquet, State Law Office, et Sir Victor Glover, il dit ça, je viens de dire qu'il d'après Banking Act, et non un requirement que la banque garde ban données, ban documents, juste pour une période de 7 ans. Et de ce fait, nous pas capables d'enseigner la loi là à plus que 7 ans. Alors, à cause ça, parce que je prends l'exemple, hein, fait comment dire, du monde prend loan et l'inaste un campement. Quand vous demandez du monde là, ben quand tu gagnes un casse pas c'était ça, déjà où ben vous connaissez, ne vendez c'est là mon ça c'était ça. Là là, vous venez aller comment ben pour dire vos documents, du monde là, il y a sur la banque dit où ben mon code document c'est 7 ans, il pas capable de gagner sur ban document pour produire. C'est la raison qui fait ces 7 ans. Alors, ban héritage, longtemps, etc., il n'est pas applicable du tout parce qu'il saisit à partir de 2009. À ce stade-ci, on a un cas entre 2009 et maintenant, mais définitivement, il n'est pas capable d'expliquer comment il y a un héritage. Il n'est pas un passé très lointain. D'accord. Et je prends l'exemple tout à l'heure, marchandal pourri. Après, nous prenons l'autre extrême, ban mort sans la drogue. Mais in between, vous pensez à toute une série de catégories de Jimoun. Enfin, nous ne pouvons pas catégoriser Jimoun, mais nous disons un professeur qui donne une leçon particulière. Nous avons un avocat qui bien souvent se prend. Bon, moi, je ne peux pas faire une allégation, mais nous connaissons comment ça passe. Nous avons plusieurs types. Nous avons plusieurs types. Non, je ne suis pas un avocat. Sorry, je suis un avocat qui. Je connais tous les trois avocats sur ce plateau. Mais je veux dire que nous avons plusieurs types de métiers qui, comme si l'argent, comme si peine reçu qui sortit après ça, de l'argent. Est-ce que dorénavant, avoir un reçu, ce sera fondamental pour le fonctionnement. Laisse-moi dire une affaire, Kevin. C'est très simple, ça. Vous connaissez tout ça, les psychoses qui peut créer, comme on dit, le petit du monde, le professeur, le banqueuse, middle class économie. C'est complètement faux. La loi-là, il ne fait pour unexplained wealth, pour le petit monde qui est non pas milliard, pour des centaines de millions, et pas capable de justifier que je gagne casse là, et je peux créer une société. Différence à qui nous pays bizarrement comment une façon de vivre que du monde dans nous pays bizarrement comment une façon de vivre. Alors pour revenir à ce que vous pouvez dire, ok, nous prenons l'exemple. C'est du monde la loi là c'est unexplained wealth, ça veut dire qu'il n'est pas expliqué et comment Ravine expliquait dans la Constitution les besoins disproportionnés avec ou income ou emoluments. Mais c'est du monde allons dire il y a unexplained wealth, mais l'inné que n'en vous déclare lui, les faire living income. Comment lui faire living income? Living explain wealth. Et comment lui faire explain là, wealth? Il y a un MOE qui travaille là. Absolument. Qui fait suivi. Ça veut dire que si un Ndimoun est appelé pour donner une explication sur un explain wealth et lui penser qu'il y a une partie sur income qu'il n'est pas déclaré, il n'est qu'un pour déclarer lui, as income, living explain wealth, il n'est pas un explain, et il n'y a aucun souci. Ça, la loi là, vous connaissez du monde qui triqué. Et que du monde qui peut faire par millions, la tête les autres du monde dans Maurice,
c'est Banna qui a risque. Et vous tendez, parce que je ne finis comment se plaigner des hauts là. Vous connaissez ça. Alors, fait, vin, oui, madame. Au fait, si vous faites un genre de micro-trottoir ou cause avec Bandimoun, un travail qui est un peu, nous faisons une cause un peu avec Bandimoun, ou pas pour remarquer que Bandimoun, comment on peut dire, professeur, etc., qui peut paniquer parce à la loi là, parce que je ne suis capable de m'expliquer. Je ne suis pas capable d'expliquer, de raison pour justifier comment je finis ça ouf là. À des nouveautés, ou besoin d'une explication, ou besoin capable de justifier. Mais si cause là, qui s'en a pas causé, qui s'en a pas créé, c'est Bandimoun qui peut penser qu'il ne pas pour carabine justifier. D'ailleurs, comment elle est là, ou même on dit à Selvina, si un Dimoun fin ramasse 2 millions sur la banque, il peut bien expliquer. Il peut pour payer ça la loi là. Parce qu'à des nouveautés, s'il est sur la banque, ça veut dire, première affaire, en compte bancaire, ça veut dire la banque fin accepter ça versement là, il est incapable de justifier d'après le requirement Banking Act. Donc là, il est clair, il n'est pas unexplained. Donc, nous devons dire, et il est important pour nous dire, Bandimoun qui peut penser et qui peut sème la panique parmi Bandimoun là, qui réfléchit bien, nous ne pouvons pas dire qu'on peut travailler dur ou la sueur, nous pouvons dire oui, nous pouvons saisir ça. C'est surtout pas ça. Mais alors, c'est un travail, vous pensez, qui peut faire dans le vide, un projet de loi, une faire après une étude de la société même. Est-ce qu'ils ont, vous pensez, ils ont l'information, est-ce qu'il y en a beaucoup d'immun qui enrichissent illégalement? Et nous quand même un chiffre, monsieur le ministre. Selvina, il y a tout un parallèle économique qui roulait à Maurice. Et ça, la loi-là, c'est qu'il y fait, il prend l'économie parallèle, il y amène les back, tout ce qu'il appelle the mainstream economy. Alors, ce qui amène nous, cause le fondement de la loi, monsieur le ministre, en général, il n'est pas contesté. Hein. Tout le monde, d'accord, bizin, sanctionne, ben, des gens qui enrichissent illégalement à travers une activité qui est malpropre, nous dit Ali. Ben, c'est qui pour dire qui ça pour amener une société plus juste, pour établir l'équilibre au sein de la société, ou même, nous dit Ali, ben, opposant à ça, la loi-là, je dire qu'il y a ben risque de persécution, il y a ben risque d'atteinte à la vie privée. Et un exemple, c'est le leader de l'opposition qui est un opposant de la loi sous ce forme actuelle. Hier, il fait une conférence de presse. Kotlifin donne un commentaire. L'os à la loi là, nous écoutons-les pour quelques secondes et nous revient l'on nous plateau. Ce contenu n'a pas reasonably justifiable in a democratic society. Ce qui veut dire qu'il le MMM, pas pour votre seul amendement constitutionnel. Voilà, donc nous finissons de comprendre l'essence du message de Paul Béranger. Nous avons aussi le Parti Travail qui finit de tenir une conférence de presse. Qui est réticent pour voter. Mouvement patriotique finit également fait une conférence de presse. Dans l'essence, nous finissons de comprendre qu'ils ont pédé, qu'ils n'ont pas encore décidé. Une réaction, monsieur le ministre? Ben, en ce qui concerne Paul Béranger et le MMM, Moka Diaou, qui m'a très choqué par le fait qu'il y a une partie comme un MMM qui se commence comme un prolétaire. Un parti qui fait plusieurs manifestes électoraux, que je viens mettre le combat contre la fraude, la corruption au centre même de ce manifeste électoral. Pas si ça c'était là, hein, élection 2005, 2010, même là, 2014. Et aujourd'hui, quand vous parlez de la loi de Maurice, que vous parlez dire tous leurs hommes mal acquis, mal gagnés, et que Dimoud qui pas bizarre, acheter ban dit bien qui peut venir débalancer la société mauricienne, et qui porte préjudice à tous ceux qui appellent Dimoun honnête, Dimoun intègre, qui peut le béranger, il n'est pas pour venir voter la loi là, et toute qualité exquise bidon, il peut servir. Mais laisse-moi vous dire, le bluff du MMM, pendant toutes ces années, et dans tous les autres manifestes électoraux, le bluff de Paul Béranger has been called, with his law. Nous tous nous connaissons, 2014, avec Deuxième République, qui Paul Béranger tire au fer avec Navin Ramgoulam, et qui tire au fer avec nos pays. Et mon objectif, c'est de faire pour ça, je ne fais pas aucun débat pareil comme nous le faisons hier. Hein. Nous invitons la société civile, nous invitons les universitaires, nous invitons les fonctionnaires, les membres du secteur privé, les anciens juges, ex-chefs juges, et beaucoup les autres du monde que nous participons, nous posons des questions, les journalistes, et nous répondons tout. Pour la Deuxième République, je suis heureux de sans ce pays-là, net. Elle met un président, elle met un premier ministre, elle a 7 ans au pouvoir jusqu'à 2022. Pas qu'un droit pose question dans le Parlement, l'Oli. Pas qu'un droit faire l'enquête, l'Oli. Pas qu'un droit mettre case civil, l'Oli. Et finalement, il y a des gens qui viennent plus qu'un les rois de Maurice. Pour sa qualité, la loi, ce type à le passer là, je n'ai pas d'imite nécessaire pour le consulter public. Et ce type vient sans constitution d'une façon irrémédiable, qui n'est pas tout à fait recensée encore. Nous faisons first reading la loi là. Nous ne venons public, nous faisons un débat hier, aujourd'hui nous l'OMBC, nous faisons causer avec toute la population,
nous pour l'Oban Radio Privée aussi, nous pour donner une interview dans le journal, nous pour participer jusqu'à les 4, les 5 décembre, quand on est dans le deuxième reading, et nous pour prendre en considération tout ce qu'il peut dire pour qu'il nous fasse de sorte qu'il y ait la loi juste pour tous les Mauriciens et qu'il y ait la loi qui pouvait faire une société une meilleure qui c'est qui y était. Oui, et avec toute l'ironie de Paul Béranger, les causes, la loi Badin, qui offensait l'eau là, quand Paul Béranger dit ça? Mais vous connaissez Paul Béranger, depuis un peu de temps, il a fini de trouver qu'il y a moins de monde qui travaille vite pour le pays, pour la vision 2030 de Sarné au Jagnat, pour tout le gouvernement, et l'IP décide pour lui venir attaquer à moi. Mais la population jugée, la population peut trouver. Alors, qui appelle la loi Badin, laisse-moi dire, ce n'est pas la loi Badin, c'est la loi du gouvernement de Sarné au Jagnat qui finit dans le courage pour venir de l'avant avec la loi Zodi. Que tout, même man politicien qui, j'ai dit dans le gouvernement, dit même pas pour dans le gouvernement, mais il peut appliquer à eux aussi. Vous connaissez qui a le courage, bien pour voter la loi comme ça. Si vous n'avez pas envie de nettoyer le pays, si vous n'avez pas envie de faire au pays, de faire une plateforme de substance, de bonne gouvernance pour amener un développement économique durable. Mais vous pas faire sa qualité d'affaires là. Moi, si nous gagnons 75% majorité avec les PEP, nous gagnons 120 euros dans le municipal. Dis-moi qui figure nous pas le montrer sa population là quand nous pouvons venir des autres comme ça à la nous bilan à la ce qui nous fait et la population dit nous ben nous tu donnes nous sa qualité majorité là ou pas capable à l'amende constitution pour mettre en la loi qui te boutier tous leurs hommes là qui mal gagné dans Maurice ben nous peut prendre nos responsabilités et nos commitments qui nous donnent les peuples parce qu'ils nous ne lient pas les peuples pour les peuples et nous pour continuer à faire libéranger sans béranger comme qu'il dit qui s'en casse la tête et qu'un bouc qui peut en crédibilité. Alors, sur l'architecture même de la loi Ravi Yerrigadou, nous connaissons la loi là, l'IP met en place un Reporting Service Agency et aussi un Integrity Reporting Board, donc des organismes qui pour fonctionner sous la loi là. Peut-être l'IP informe le public qui pas comprend comment les procédures pour commencer depuis A à Z. Et d'abord, ça dès l'institution là de pour agir leur base renseignement, si nous ne comprenons. Est-ce qu'il y a une enquête? Est-ce qu'il est sous forme d'enquête ou quoi? Je laisse le ministre, il y a une jolie flowchart pour expliquer ça. Je laisse le ministre expliquer où, étape par étape, depuis qu'il gagne une complainte, qui manière sa processus. D'accord, là. Merci Ravi. Alors, si nous guettons le flowchart qui explique tout le système, où vous trouvez qui, dans le flowchart, la vie de l'écran. Voilà. Alors, oui, non, en haut, an Integrity Reporting Services Agency. Alors ça, c'est un body corporate qui set up sous la loi, quand ben des gens capables faire ben report. Alors on a décalé les reports. A priori, il y a des affaires qui sont très positives en termes ben acte de bonne gouvernance et ben acte de ben l'entreprise dans le secteur public privé. Je veux promouvoir une culture d'intégrité. Je veux gagner droit à faire un rapport pour laquelle il y a un système de reward. D'ailleurs, nous trouvons ça que l'année, à la fin de l'année, où il y a une award cérémonie, où il y a une compagnie qui est listée, une compagnie qui peut promouvoir un acte de bonne gouvernance et d'intégrité. Mais en même temps, capable aussi de rapporter une mauvaise pratique. Alors ça, il rentre dans ça, Integrity Reporting Services Agency, que vous trouvez là-bas. Là. Maintenant, laisse-moi démystifier un petit coup ça travail, ça agency-là. Agency-là, il n'a aucun pouvoir pour affecter la vie d'un citoyen d'une façon, comment on appelle, coercive. Qui fait? Parce que quand il gagne ce rapport-là, il est dans le process, il fait un exercice de vérification. Par exemple, il a check avec une institution publique comment register of mortgages, comment register of companies, etc. Et avec les autres, l'organisation publique. Quand il guette, vraiment, s'il finit dans mauvaise pratique ou soit s'il y a des gens dans une situation justement de unexplained wealth. Mm-hmm. Et quand il trouve, vraiment, des gens, il paraît qu'il. C'est qu'il y en a 5 la case, 4 campements, 10 lotos. Il n'est pas commensurate, il est disproportionné avec ce emolument, ce soit ce income. Et là, ce qu'il y fait, il y a un droit écrit à ça, Dimoun là, pour lui demander une explication. Si nous bien c'est pas l'institution qui informe donc the agency, c'est pas forcément le public lui-même. Quelque part, c'est par exemple la Banque Maurice, vous pensez qu'il. Et dans ça aussi, oui, dans le directeur de l'audit, bien sûr, avec tout ce qui travaille qui directeur de l'audit fait. Mais pour l'instant, ça, il n'y a pas un follow-up, tout va. Il n'y a pas jusqu'à côté de l'Ibzan. La FIU. C'était la loi qui fait, il y a FIU, il y a
bien sûr, gouverner la Banque centrale, directeur l'ICAC, etc., qui, quand se trouvait dans un explain wealth, je peux faire cette enquête au criminel, ça nous connaît, against the person, mais ici, against property, vous êtes capable de faire un rapport contre sa property là. Alors, les receive report, les process report là, et après les seek information from public sources institutions, et c'est le pouvoir yéna, c'est d'écrire à la personne. Ou pas convoquer aucun dimoun, pendant comment l'ICAC, la police, tout ça, il n'y a pas de ça. De Paris, comment MOI, ou écrire une lettre à un dimoun pour dire lui comme ça, qui m'avait dit une explication après qu'il trouvait qu'il est disproportionné avec une gomme ou émolument, ou soit pas qu'il explique sous leurs enquêtes pour acheter sa propriété là. Dans 21 jours, dimoun la misère reply. C'était le bon qui m'expliquait une affaire, parce que je me donne beaucoup commenté à la radio. Quand dimoun la reply, il est capable de dire comme ça que mon choisir pour ne pas dire où non y est. La loi met une obligation juste pour qu'il y réplique. Il y a réplique n'importe quoi. Il y a dire où connaît mon jeu les courses, il y a dire où connaît mon jeu casino, il y a dire où mon héritage, il y a dire où comme ça qui mon choisir pour ne pas dire où non y est. Ça aussi, il y a un droit à faire. Mais là, quand il fait ça, il est là, et gentil là, il y a un droit, comme dans n'importe quel cas, il y a le devant la Cour suprême, il demande une disclosure order. Et là, la Cour suprême jugeait s'il n'y a pas besoin de donner un disclosure order pour disclose ben, l'information qui s'est dit qu'il refuse de donner. Mais est-ce qu'il y a arrêté ça l'étape, comment dire, de code 21 jours là, si par exemple l'agence satisfait avec la réponse? Justement. Si, par exemple, allez, vous connaissez beaucoup de monde qui dit que ce n'est pas servi ça comme un outil politique. Laissez-moi dire pour un politicien comment il est facile. Puis non, il n'y a pas un politicien qui est un pire. Vous connaissez que d'après la loi, tout parlementaire a besoin de faire une Declaration of Assets, d'après le Declaration of Assets Act. Et ça fait devant la Cour suprême, quand on vient d'un parlementaire, ou prête serment devant la Cour suprême, ou dit tout ban asset ce qui est non. Là, ça fait, il est avec l'ICAC. Mais si par exemple, dis-moi, moi, ça, l'agence là, il décide pour dire moi, ou si badin, mais il a une case à Albion, ou un bureau dans pour lui, avec une loto, parce que mon cas, vous m'avez dit plus que ça. Ça me trois affaires qui m'ont dit, qu'à le vérifier. Mais qui m'a fait? Je dis, vous connaissez, je vais faire ma déclaration of assets devant l'ICAC, alors je fais une photocopie. Je donne une copie. Et mon fini explique tout. Mais qui est un politicien dans Poupéa? Il dit, non, il n'y a pas de là-dedans. Si il fait tout, comment il fait d'après la loi? Alors, là, c'est qu'arrivé 21 jours, il y a une explication, comme on vient dire, Kevin. Puis, non, aucun problème, ça fait là, il arrête là même. No further action. Alors, autre que ça, si, par exemple, trouver qu'il dit, il y a encore une position que le pape a expliqué. Là, sa agency là, ce seul affaire qu'il y fait, il y avait un rapport dans le Integrity Reporting Board. Ça même tout qu'il est capable de faire. Maintenant, avant il y avait ce rapport là, il y en a encore une l'étape qu'il est capable de franchir s'il choisit pour franchir. Et il y a une possibilité qui, quand il écrit du monde là dans 21 jours, du monde là, il vendait la drogue, il n'a cité pas combien de terrain, il dit comme ça, que ça, bon, pas pour répondre, nous n'en y est. Il a dégagé, il y a le vendre ça. Justement, si vous mettez un lien entre temps que ben procédure, voilà. Fait ce qu'il y a un lien lorsque ben propriété. Exactement. Il y a le vendre terrain là avec un dimoun qui a une bonne affaire des purchasers, un dimoun qui a acheté en bonne foi. Mais il y a la property là, comme on m'explique, c'est une action contre property, pas contre dimoun. Oui. Alors, property là, vous finissez aller. Et de ce fait, pareil comme un MOFR, ça, l'agence là, lui aussi, il y a un pouvoir pour lui mettre un lien lors sa property là. Jusqu'à qui le board get ça. Alors, il y a une petite période de temps. Probablement 3-4 semaines, pas plus que ça. À partir du premier jour, il y a un rapport là. À partir du moment où il établit qu'un dimoun est dans un explain wealth et dimoun n'a pas été capable de justifier et pas de gain explication satisfaisante, il y a besoin d'envoyer un rapport devant le board. Le board pour considérer, mais il y a un droit de mettre une inscription. Et alors, jusqu'à ce qu'on puisse ce petit là aller. Maintenant, très vite, nous allons arriver là, dans le board là. Alors, si nous avons Integrity Reporting Board, c'est un organisme. Alors, quand Integrity Reporting Service Agency fait son rapport, il y a ça dans le board. Le board, plus important que tout, qui paye dans l'écran, mais laisse-moi dire, il est chaired par un retired judge de la Cour suprême à Maurice ou un ex-juge du Commonwealth, l'Angleterre, un pays Commonwealth. Et il y a un DACCR qui travaille ensemble. Lui. Ce board-là, il y a un seul travail pour lui faire. Il y a une décision pour prendre. Qui décision il y en a pour prendre? Il a besoin de décider si pas ce cas-là, il a besoin de référer à la Cour suprême ou non. C'est tout. Il n'y a pas aucun autre pouvoir. Alors, quand il y a un rapport là avec sa agency, là, il est capable d'échanger l'information avec les autres institutions, à Maurice,
les gains de droit demandent produit à bande document. Et après, ils prennent une décision whether to apply for an unexplained wealth order or not. Monsieur le ministre, Integrity Reporting Services Agency, est en bas au ministère? Non, du tout. Il y a le body corporate. Okay. Il y a le body corporate. Et il y a un man document qui circulait dans la presse, qui m'ont expliqué hier. Nous, tu prends un consultant britannique pour lui faire un working paper pour nous. Quand il fait ce working paper, là-dedans, il met, dit, sous proposition, le comment ça a bien fonctionné. Et dans ce working paper-là, il mettait qu'il y a un énorme de pouvoir qui est capable d'un ministère, d'un ministre, parce qu'il y a des affaires administratives. Mais je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Le premier du monde qui me résette ça, c'était moi-même. À cause de ça, je trouve ça très, très malveillant, méchant, de la part de certaines personnes. La presse aussi, je me trouve peut-être une mal rapportée. Qui... Non, la presse, vous connaissez, j'ai une mauvaise habitude, pas téléphoner pour demander une explication avant de publier une affaire. Si je te téléphone, je te demande, moi, tu peux expliquer. Mais je ne peux pas téléphoner, je ne peux pas demander, je dis, allez, à le mettre là-bas. Là, je demande une explication quand je finis de publier. Ça, mon habitude avec ça. Pas de problème, ça. Mais de l'autre côté, quand Ouguette, c'est qui le consultant britannique, te dit, nous retravaillons avec Parquet, le State Law Office, parce qu'il nous connaît, qu'il nous le paye, il y a une constitution, il y a la loi suprême. Nous connaît qu'il y a la loi qui peut le voter contre nous, il y a en harmonie avec tout le monde des autres lois qui nous est là, que ce soit Asset Recovery Act, que ce soit Prevention of Corruption Act, que ce soit Banking Act, Financial Services Act. Alors, nous connaissons nous, la loi, nous connaissons qui qualité fonctionne bon, nous avons institué. Et finalement, quand ce papier-là, c'est un papier qu'ils ont mis, tu prends en considération, tu mets dans quoi, mais seulement l'essence de la loi, ils trouvent dans ce papier-là, mais c'est un working paper. Le premier draft bill qui émane du State Law Office, ça, c'est toute autre chose. Alors, pour revenir à ça, quand vous avez sa décision qui Integrity Reporting Board l'y prend, c'est juste, est-ce qu'il y a vos affaires-là, la Cour, oui ou non? Vous pouvez remarquer que ce soit l'agency qui est un body corporate ou que ce soit le board qui est chaired par un retired judge ou bien un juge du Commonwealth, il n'y a aucun pouvoir pour y aller saisir quoi que ce soit pour un Jimoun. Il fait un travail administratif pour établir si pas vraiment un Jimoun est dans une situation de unexplained wealth ou non. Mais il n'y a aucun coercive powers. Si mon canet termine là, quand il y a voli la Cour suprême, nous étions arrivés à terre. Alors, dans l'autre slide. Alors, peut-être. Alors, voilà. Avant de continuer, Monsieur le ministre, peut-être que je vais demander un avis légal à Ravi Irigadou. Dans sa ben premier steps, là hein, que ça dé l'entité là dans une fonctionnalité, la Cour de justice libévine plus tard dans sa chaîne de procédure là. Est-ce qu'il s'agit moun là dans une première étape de procédure, il est capable d'un recours légal, une assistance légale, il est capable, est-ce qu'il est capable devant où il y a mon pévin avec mon avocat devant, est-ce qu'il y a sa possibilité là? Laisse-moi dire des affaires. Hein? Mon diaou tout début, Maurice c'est un état de droit, que tout bon droit, tout bon citoyen, il sauvegarde. Une affaire importante qui l'explication fin montrer, c'est qui ça. Integrity Reporting Services Agency, là, bien important, il y a une body corporate. Il peut être une menace du ministre ou du ministère. Ce qu'il est supposé faire sous la loi, il est très clair. Il n'y a aucune coercive power, ça veut dire qu'il fait dominer avec Dimoun. Mais si un Dimoun pense qu'il fait dominer, il est dans la cour toujours. Dimoun, là, quand il va dans la cour, il dit ça. Ça, l'institution, là, peut faire dominer en moi. En peut lui faire dominer en moi. Mais la question ne se pose pas quand on peut écrire une lettre. Ça même tout qu'il y fait. Je donne un exemple. Je explique ça. On peut dire où faire telles affaires, pas faire telles affaires. On peut dire où obliger faire ça. Il n'y a aucun pouvoir là. Et si nous sommes capables, dans séparation pouvoir, casse ça, l'exécutif et le judiciaire. Si nous sommes capables, assimile Integrity Reporting Services Agency à l'exécutif. Il n'y a aucun coercive powers. Si nous avons assimilé l'Integrity Reporting Board, même qu'il y on trouve cette composition comment était un ancien juge du Commonwealth ou un ancien juge là, de la Cour suprême. Là, nous franchissons la ligne judiciaire. Pas tout à fait. Mais à nous même dire qu'avec Integrity Reporting Board aussi, on court dans le domaine, dans le realm de l'exécutif. Mais là aussi, c'est celle décision qu'il y prend, c'est est-ce qu'il m'aurait fait ça à la Cour suprême ou non. Donc, pas encore une étape que l'on lèse le droit du citoyen.
Alors, c'est seulement qu'on a en chambre qu'il a le judiciaire. Absolument. Ça? Avant avant qu'ils appellent à référer au judiciaire, laisse-moi de nous NDT clarification encore. Aujourd'hui, mon côté un journaliste, il me pose moi une question. Justement, l'agency et le board, et après, on explique comment l'IP n'a aucun pouvoir coercif et il n'est pas capable de prendre aucune décision qui a affecté la vie d'un citoyen. Il n'est pas capable de prendre aucune décision qui a affecté la vie d'un citoyen. Autre que référer l'affaire à la Cour suprême, et là, c'est le judiciaire qui va prendre une décision, si pas pour donner de l'autre, pas pour donner de l'autre. Et ça aussi, quand il y a un système qui nous suit, on montre ça d'un petit moment. Mais je vais donner l'exemple avant ça, Kevin. Un journaliste. Fait que moi, un journaliste, il peut faire ce travail, il peut faire une enquête. Un du monde, vous connaissez, un ministre est dans 6 la case, 4 le tour, 5 campements. Right? Ministre là, appelle Rossi Badin. Alors, il y a le registre of mortgages, il y a le tiers de l'information, il y a le registre of companies, il y a l'information qui est dans comment shares, etc. Après, finalement, il décide pas de publier un article pour dire qu'il y a là, il y a un ministre qui est dans 6 la case, il y a 5 campements, 4 loteaux, etc. Il écrit à moi, il dit, moi, vous connaissez, monsieur le ministre, je vais publier un article où, il entend dit bien, mais mon envie que vous donnez moi un droit de réponse, mais réponds-moi avant de publier mon article. Alors moi qui m'a fait, moi aller me répondre, me justifier, me expliquer, malgré qu'il m'a payé, non, tout ça là, laisse-moi dire, ou toujours pas téléspectateur, pas comprend bien. Mais me explique les gars, une explication. Il allait les publier sur l'article. Mais qui différent entre ce qui sa agency l'a fait et ce qu'un journaliste l'a fait tous les jours dans l'exercice de fonction? That's why it's called integrity reporting. Absolument. Il y a de l'information, il y a un bon détail, il y a allé pour publier ce l'article, mais il est bien capable de demander à son explication avant de faire lui. Sa agency l'a fait même affaire. Il peut demander à un dans 21 jours, est-ce qu'il explique telle affaire avant qu'il me fasse mon rapport, moi m'envoie dans Baud. Et quand il a envoyé dans Baud, Baud là, il a une décision pour prendre, si pas de justifier sa bonne source d'argent qui ne servit pour acheter sa bien immobilier là, ou soit Baud là décide pour envoyer ça à la Cour suprême. Nous, qu'est-ce qui est arrivé là? Parce que nous rentrons dans juridiction de la Cour suprême. Alors, nous, moi, arrêtons un petit moment. Juste pour dire, ok, ben, voler, bien, réfise, cause avec journaliste, pas cause, on dit tout, ben, voler. Nous faire une pause publicité et puis nous revenir avec d'accord, les explications. Merci. 31 octobre chez Mauvaise Télécom, c'est le délire. Venez profiter de nos ventes flash avec le Buy One Get One Free et le Buy One Get One Half Price. Bénéficiez des remises allant jusqu'à 5000 roupies sur tous nos tablettes et smartphones. Et plein d'autres surprises à découvrir dans nos boutiques de Bagatelle, La Croisette, Trianon et Rivière-du-Rempart. Le 31 octobre, c'est la journée des promos chez Mauvaise Télécom. Madame, Monsieur, donc merci au pays. Suivez-nous l'émission spéciale, le Good Governance and Integrity Reporting Bill, avec Monsieur le ministre, nous typez Get Sabilla, ça la loi là, step by step, comment l'y pour appliquer. Et là, nous arrivons dans la Cour de justice, Monsieur le ministre. Voilà. Alors, Integrity Reporting Services Agency, il fait ce travail, il envoie dans Reporting Board. Integrity Reporting Board, il prend une décision, il réfère un cas devant le juge en chambre de la Cour suprême. Juge en chambre, quand il gagne l'affidavit qu'il met devant lui, et aussi l'affidavit de l'autre partie, c'est-à-dire de la personne concernée, parce qu'il ne peut pas faire aucune implication, c'est ce qu'il nous appelle exporter. Mm-hmm. Vous pouvez faire lui, quand vous parlez de la Cour suprême, vous pouvez servir papier l'autre personne aussi pour lui connaître, avec connaissance de cause, les cas venir lui répondre ici. Alors là, Dimoun, là, mettre sur l'affidavit ici, ça qu'elle est dans sa version. Juge en chambre qui a fait trois affaires. Première affaire, comment vous trouvez l'écran, il est capable de briser cette application-là, parce qu'il y trouvait qu'il n'y a pas aucun mérite. Deuxième, il est capable de faire l'autre là, il est capable de donner l'autre quand il trouvait qu'il est flagrant devant lui, qui dit que là, il n'y a pas payé des clauses sur 10 bateaux, sur 5 campements qu'il a acheté, il n'y a pas expliqué qu'il y a un casse, il y a donné ça, un explain de Wolf Order pour le saisir, ça dit bien là. Ou soit, s'il y trouvait sur la base affidavit, il n'y a pas capable de prendre une décision, le juge en chambre, il n'y a pas référé to the competent court, which is the Supreme Court. S'il fait ça, il y a devant la Cour suprême comme n'importe qui cas. Et il y a un hearing, un témoin écouté, une audition de témoin. Examination in chief, cross-examination. Et là, finalement, la Cour vous donne un jugement. Et la Cour, comment vous trouvez? Il est capable, encore une fois, soit de résoudre l'application là, s'il y trouvait pénant lieu pour donner aucun l'autre.
Ou bien, s'il décide pour donner l'ordre là, il fait ça un explain welfare order là. Là aussi, Dimoun là, il n'a encore une option. Il n'a pas fait l'appel à Court of Civil Appeal à Maurice, qui dans la Cour suprême même. Et Court of Civil Appeal, il est dans pour prendre une décision de donner un jugement. Si Dimoun là, là, il n'est pas d'accord, il va aller jusqu'à l'Angleterre, conseil privé. Et le processus entre temps, combien les temps l'INCAF prend? Ben, justement, vous connaissez, ça, la loi là, c'est une la loi qui sens fonctionnement Maurice aussi dans sa façon là. Parce que, quand tu as un système criminel qui nous est là, qui a encore opéré, hein, avant que la police fasse l'enquête, loin de mort sans la drogue, avant que l'enquête là terminée, avoue ça, bureau, directeur poursuite publique, là-bas aussi prendre le temps pour prendre une décision, quand fini là-bas, là, il réfère l'affaire devant la cour intermédiaire. La cour intermédiaire, ça fait la fixer. Mon avocat, je date, c'est pas, je t'available, je pas available. Finalement, case là, témoin vini, pas vini, il renvoyé, il y a les mêmes. Et capable dans 5 ans, organisement, il y a plus de soucis. À ce si Dimoun fait l'appel à la cour suprême, mais il y a encore 2 ans, 3 ans. À ce quand Dimoun finit par la cour suprême, il décide pour faire encore l'appel, il parle jusqu'à l'Angleterre, mais il y a plus de 10 ans. À cause de ça même, ce système-là, c'est un système au civil qui a très vite. Et ravi qu'il de bonne précision. Oui, tout à fait. Et une affaire bien, bien importante. Et là, une safeguard, c'est important, là. Quand on commence à affecter les droits citoyens. Exactement, les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux et les property. Critique à l'atteinte à la vie privée. Là, je ne sais pas, ça n'a rien dit tout, moi. C'est important. On connaît souvent beaucoup de monde qui sont juges en chambre. Il y a beaucoup de procédures qui vont aller devant un juge en chambre, exportées. Ça veut dire derrière les douanes du monde. Ou elle prend des onctions contre un dimoun. Ou elle exporte. Mais ça, c'est pas une application exportée, ça. Quand il y a le devant Ziza, ou servi papier l'autre partie là aussi. Mm-hmm. Ça veut dire que quand le board, il refait sa Cour suprême, il peut servir papier pour la Cour suprême, il servit papier l'autre ou si, il peut dire où il y a un explain wealth. Il dit, ou get ça, moi, le devant Ziza, là. Hein? Mm-hmm. Get qui m'a peut dire l'autre ou. Get quand on fait recherche dans. Registrar of companies, registrar of mortgages, get qui nous trouvait, get l'enquête qui nous trouvait, get qui. Ou en présence de ça. Puis il n'y a aucun élément de surprise. Et le juge a les deux versions. Maintenant, la procédure telle qu'il était, d'après Ban Rules of Supreme Court, c'est pas affidavit, affidavit evidence qui vous devait un juge en chambre. Si le juge en chambre considérait, par lui-même, ou bien si elle n'est pas une partie, il dit, vous connaissez, là, je ne peux pas croire ou en juridiction. Il peut avouer lui devant ce qu'il appelle la Cour suprême. Côté d'un case, écoute témoin, pose question, compte interroger. Safeguard là, il est bien là. Il y a le Privy Council. Nous pensons sincèrement qu'il peut aller beaucoup plus vite que le processus normal pénal. Et nous pensons que toute suspicion, allégation d'atteinte à la vie privée qui peut tenir d'après moi, ou à la propriété d'un dimoun, le dimoun là pour un ample time pour venir expliquer devant la cour, devant un juge, qui manière l'ingé, ça qui fait pas besoin mettre sa lourde confiscation là. Alors très souvent nous mettons le focus sur l'individu, hein, tout le monde nous pense lui individuellement là, ah pour venir tous moi, pour ceci. Mais ce qui au pays aussi, ça la loi là, l'IP aussi vise ben une corporation qui n'a ben dit bien, ben une compagnie, ben une agglomération. Évidemment, une compagnie c'est une personne. In law, ça veut dire quand on peut dire un dimoun vient expliquer, il inclut une compagnie aussi. Parce que sinon, c'est trop facile. Un dimoun n'est qu'il faut une compagnie, il met tout là-dedans. Là, mais est-ce qu'il y a aussi un risque qu'il y crée un système à deux vitesses? Un petit dimoun, il peut avoir une difficulté, il explique que source richesse. Mais un petit dimoun n'est pas concerné là-dedans. Non, comme on dit, un petit dimoun, allons dire un dimoun. Un petit grand dimoun. Un petit grand dimoun. Selvina, à nous prendre. Comparé à un dimoun qui n'a pitié dans sa même trafic illicite. Laisse-nous prendre l'exemple concret, Selvina. À nous prendre n'importe qui dit moun. Ou on a des trois qui a été dit pain. Ou on a dit bien qui movable. Ou l'inzlo ou, le to qui ouena, meb qui ouena, l'armoire qui ouena. Et ouena man affaire immovable, man bien immobilier. Comme on peut venir moi, puis dire ou, mais ça plime là, que tu récit. Tu montes la cabine, que tu récit. Ton téléphone là, ton garde tu récit. Ça récit là, moi comme une PSD. Ton téléphone là. Nous pas peut dire toi ça là. Vous pouvez dire, toi, immovable property. Ou d'accord, moi, même si vous êtes un petit dimoun, même si vous êtes un dalle pourri, gâteau pima avec Satini Kotomili ou autre, mais quand on renseigne la case, quand on ajoute la somme de la case là, on met tiles, on fait un petit développement, on fait. Vous ne connaissez pas quoi que ce soit. Mais vous pouvez expliquer moi.
Ou vous pouvez expliquer moi, mon travail dit pour ça. Dans ton temps, mon travail, mon nettoie la cour du monde, mon donne les sons, mon faire whatever. Ça qui me permet moi aller dans tel magasin, acheter sa télévision là. Ça qui me permet moi faire ajouter un petit la cuisine. Ça qui me permet moi acheter un nouveau plaque à gaz. Ça qui me permet moi acheter une frigidaire. Mais vous pouvez pas m'expliquer. Et ce qui nous fait comprendre, c'est qu'il peut-être ça, la loi ça là, peut pas arriver même à ce niveau-là. Évidemment, c'est impossible. Évidemment. Impossible. Donc à nous démystifier ça tout de suite. Laisse-moi dire une affaire. Ça, la loi là, quand vous passez, vous pouvez avoir un discours qui peut faire dans le Parlement en tant que ministre qui permet la loi là. Et ça, Aniru Jagnat, en tant que premier ministre qui permet l'amendement constitutionnel, nous pouvons expliquer dans le Parlement qui ça, la loi là, fait, qui ça, la loi là, pas faire. Contre qui qualité du monde ça la loi l'a été, contre qui qualité du monde ça la loi l'a pas été. C'est ce qu'il nous appelle l'intention du législateur. Et demain, quand la Cour suprême, Judge in Chambers ou the competent court qui peut écouter une case, mais quand il y en a n'importe qui ambiguïté, ou tout le temps réfère où à l'intention du législateur quand il passe ça la loi là pour connaître qui législateur tient en vie quand il passe ça la loi là. L'esprit de la loi. L'esprit en fait. De la loi. Pour qui la Cour capable de juger. À cause ça même, tout ce qui m'ont dit dans le Mougla, m'ont dit, Mougla, si vous avez un avocat, vous avez raison comme ça, enfin, vous ne connaissez pas, vous avez raison dans le faux. Mais quand vous assisez ou calculez, est-ce qu'il ou quoi un gouvernement responsable pour venir passer la loi contre le monde d'un pays quand nous peut cause unjust enrichment, quand nous peut cause par millions, par milliards de unexplained wealth? Nous peut cause white collar crime, si vous voulez. Ou peut cause white collar crime? Mais il n'y a pas make aucun sens. Comment un monde capable d'oser venir dire des affaires comme ça, juste parce qu'il y a un politicien qui pensait qu'il y a à cause de ce qu'il a envie, il a envie pour faire du monde père, parce qu'il nous tout connaît que c'est un an, sa quantité casse là. Nous connaît 10 bananes comment le pays l'a roulé. Nous connaît qu'il y a des gens qui bénéficient de la terre, qui bénéficient de toute qualité des affaires. Mais à ce terre, vous n'êtes pas capable de dire qu'il y a une morceau gâteau piment, une morceau d'alpourri pourri, puis elle est affectée par la loi qui peut voter, quand vous pouvez dire comme ça qu'il y a mettre la loi contre enrichissement injustifié. Monsieur le ministre, une question peut-être bande politique de l'opposition, c'est qui se peut redire, c'est qui est-ce qu'il y a un agenda derrière ça, la loi là, est-ce qu'il peut vise certaines dimoun qui déjà bande propriété, qui est notre bande propriété, peut vise qui canne par rapport à ça la loi. Oui, vous permettez pas répondre. Moi, je veux dire agenda. Agenda, c'est simple. Agenda, c'est créer une plateforme pour nos pays qui peut amener un ce qu'on appelle sustainable economic growth. Et dans le pays aussi, monsieur le ministre, un développement économique durable. Il y a un citoyen, ça veut dire ça, là, il concerne tous les citoyens mauriciens. Est-ce qu'il y a un résident étranger qui est à Maurice aussi, il est concerné par ça? Non, la loi là est applicable seulement à citizens of the Republic of Mauritius et il est applicable seulement à ban property qui est dans Maurice. Pour deux raisons. Un, premièrement, nous pas capable dans Maurice passer la loi qui pourra identifier qui sous l'argent un du monde qui en déo Maurice lui permet, parce que ça est applicable à la loi qui est dans ce pays. Même s'il vient acheter une propriété ici, ça dit monde là. Absolument. Oui. Parce que vous n'êtes pas capable de passer la loi dans Maurice, vous pouvez côté du monde, il y a un casque tout pénal juridiction. Non, ce n'est pas qui l'Allemagne ou l'Angleterre ou n'importe qui l'autre pays. Vous n'avez pas le droit. Chaque pays souverain, il y a dans sa propre loi. Pareil, quand un du monde il a acheté un Mauricien, il a le mettre casque déo. Mais c'est la loi sa pays là, pareil, il est dans ce FIU, sur l'équivalent l'ICAC là-bas, c'est Banna qui fait ce travail là. Ici, on ne peut pas faire ça. Mais il y a un résident capable de passer Escape, ben la loi qui est là comme ça dans notre pays, et je viens installer ça ici, pour justement, et cool, je te l'envoie. Mais là, comment il y a un casse là? Il va pas amener l'idée d'un coffre ou d'une valise. Il va vous amener par la banque. Et quand on amène l'idée par la banque, il y a une obligation, report, ce qu'ils appellent une suspicious transaction à la FIU. Et ça, c'est un tout autre système. Alors, une transaction douteuse, la banque rapporte FIU, FIU fait son intelligence, dissémine un rapport vers l'ICAC ou bien vers la police, et ça, c'est la façon qu'il enquête faire. Ça, c'est un système existant sous une autre, la loi Financial Intelligence Anti-Money Laundering Act. Ça n'a rien à faire avec le système civil qui nous peut causer ici. D'accord. Et si nous avons revenu à la question qui me pose, tu as là l'agenda. Est-ce que c'est l'agenda qui vit dans l'individu? Oui, ça même, tu peux le dire, que l'agenda était. La nous explique pas du bout de haut. L'agenda, c'est pour amener une plateforme juste et équitable dans la société mauricienne qui peut faire de sorte qu'il nous capable d'amener un développement économique durable. Je vais donner un exemple. Récemment, nous sommes en Estonie. Estonie, c'est un pays qui devient indépendant en 1992 et en 2014, ce GDP, ce produit intérieur brut, il vient jusqu'à 20 000 euros per capita.
qui fait Livin dans presque top 5 dans l'Europe. Depuis 92 jusqu'à 2014. Et il y a 1,2 million de monde qui reste là-bas. Paris comme Maurice. Je viens avec un système, ben même qui développe Skype, tout ça, pour tous les téléspectateurs qui connaissent Skype, et j'ai une baisse prix de communication. C'est un management hub technologie là-bas. Absolument. Et énormément, j'ai une baisse coût de communication de par le monde, parce que quand Skype est développé, tout le monde est capable de servir Skype, et de là, on a WhatsApp, Viber, etc., qui est développé. Je tenais un système là-bas qu'ils ont mis en place qui s'appelle un Electronic Residency Scheme. Ou capable d'être électroniquement résident d'un pays. Alors, nous prenons ce modèle, nous demandons de l'assistance, nous payons travail là pour Maurice. Pardon. Et quand nous payons travail là pour Maurice, mon cas, il y a une affaire. Là-bas, je paierai de faire population 20 millions dans des ans. Maurice aussi, nous avons un plan pour mettre système électronique résidence en place. Sorry. Alors, quand. Alors, nous faisons un petit pause, si vous voulez bien, Monsieur le ministre. Nous prenons quelques questions et puis nous continuons avec vos explications. Sylvana. Oui, alors, nous commençons avec une question. C'est un planteur qui finit téléphoner. Donc, Lydia Nou, c'est à moitié une question, moitié un témoignage. Lydia Nou qui se récolte capable de rapporter pour millions. Et il y a une Mercedes, donc il y a une voiture de luxe, qui peut arriver si l'IPA fin déclare sa logement là dans le passé. Bon, si l'IPAN fin déclare l'argent là dans le passé, il n'est pas déclaré. Et là, il peut expliquer wealth. Pas de problème, ça. Une deuxième question, un dimoun qui transfère ce l'argent, donc qui paye travail, qui gagne l'argent, qui pas fin déclare lui à Maurice, mais qui transfère l'argent là à l'étranger, par exemple, dans la banque en Suisse. Est-ce qu'il n'est pas affecté par ça, la loi là? Non, quand vous transférez l'argent par la banque, maintenant, comment on fait qu'explique Selvina, un système que la banque, s'il y trouvait qu'il y a des affaires douteuses, la banque rapporte ça à FIU et FIU, Lili fait ce travail. Mais quand on peut transférer l'argent en dehors de Maurice, si nous sommes conséquents, la banque de Maurice aussi, ça connaît. Mais ça, ce n'est pas ce système. Nous avons aussi un téléspectateur qui fait téléphoner, lui envie connaît, qui s'en a qui peut nommer man membre Integrity Reporting Board. Le Integrity Reporting, premièrement, nous prenons the agency, le directeur nommé by the minister after approval of the prime minister. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le ministre, il y a devant le conseil des ministres, il amène ce cabinet paper et lui dire qui monsieur Intel avec ce CV et tout ce qui est là-dedans. Peut être nommé, conseil des ministres débat, quand je suis d'accord, premier ministre approuve. Mais avant ça, mon cas finit à tout bas de téléspectateurs, dans mon cas, pareil comme on me fait dans MBC, pareil comme on me fait dans Financial Services Commission, pareil comme on me fait dans Financial Reporting Council, pareil comme on me fait avec mon one advisor, pareil comme on me fait avec attaché de presse, mon pour advertiser cette position-là, et nous pour gagner, ban civique qui vient gagner, avant qu'il nous pense ce qui est plus bon. Nous amener devant le Conseil des ministres. D'accord. Et la même chose pour le board. Mais le board est un ex-juge du Commonwealth aussi, qui, bien sûr, il peut être nommé par le Premier ministre. D'accord. Aussi, une question, c'est est-ce comment on peut assurer plutôt qu'il y a un rapport qui peut soumettre, il n'est pas pour manipuler administrativement? C'est une question de M. Josh. Ben, la question de manipulation, tout ça fait autant de manipulation, Master. MBC, si je dis manipuler, rapport aussi manipuler. Non, non, pas manipuler, non. Il y a au contraire, il y a vers la transparence, vers la bonne gouvernance. Et quand on met un professionnel pour travailler là-dedans, je peux faire ce travail comme un besoin professionnellement. Mais comment toute l'institution dans Maurice, on a besoin d'un bon du monde. On a besoin d'un bon du monde qui est capable d'amener son niveau de professionnalisme et qui peut amener la compétence voulue. Mais bien dire aussi que dans la loi, même les Finidia, qui est le directeur de sa agency là, les bien soit un professional accountant with substantial experience ou bien legal practitioner of substantial experience. Et en plus, vous êtes bien un managerial experience parce que vous êtes un gestionnaire ici pour gérer une institution. Mais dans la presse aussi, ce qui nous revient assez souvent, Sylvana, c'est qu'il y a qui fait une partie recrute ça du monde de sa board là, directeur là. Pour Judicial Legal and Service Commission. Tu veux nous vendre passeport là? Mais parce qu'il n'y a pas de monde qui peut fulfill une judicial position. Voilà. Du monde qui fulfill une judicial position, c'est un juge de la Cour suprême,
le directeur des poursuites publiques. Avant l'étape judiciaire. Absolument. Vous connaissez ce qui dit monde pas comprend aussi, et ça nous a fait très important. Bon, comment vous explique ça aujourd'hui? Nous, on est élus du peuple. Les peuples, ils votaient en décembre 2014, ils n'est lié à un gouvernement. Alors, quand on est lié à un gouvernement, ce gouvernement-là, il y a un mandat. Mandat-là, normalement, pour 5 ans. Et après, vous pourrez venir devant les peuples et pour être jugé par les peuples, le tout bonne décision, ou bonne action et ou bonne résultat qui vous amène. Et si vous n'avez pas de résultat, comme la dernière fois, là, de là où vous avez un coup de pied, vous allez. Mais ça, le gouvernement-là aussi, pareil. Si vous pouvez nommer un monde qui n'est pas capable de fulfiller sa expectation que la population est là, l'eau, sa gouvernement-là, mais finalement, le gouvernement-là, pour bizarre, paye le prix de ce bonne nomination. Par contre, si on nomme du monde qui bizarre et il fait un travail qui bizarre au niveau de chaque organisation, de chaque institution, ben, la population, il peut trouver qui travaille, qui ne fait bien faire. Alors, quand vous pouvez dire comme ça, un ministre, un premier ministre, conseil des ministres, il ne faut pas nommer un du monde. Mais qui c'est là qui vous nomme, Kevin, leader de l'opposition, M. Béranger qui n'est pas élu. Enfin, il est élu avec 180 voix, là, M. Mestri. Mais c'est marrant. Il y en a 10, pourquoi 5, 6, 10 minutes. Un M là, il finit à aller. Le thème là, il aller. Troisième M là, qui restait là. Et il veut dire, comme ça, pas mettre la loi qui, un explain wealth, qui, comment dire, pour empêcher du monde de prendre leurs hommes mal acquis, mal gagnés, là, c'était bandit bien. Alors, nous continuons peut-être, nous capables d'expliquer un peu qui finalité ce projet de loi-là, c'est du monde envie qu'on ait, mais ça qui pourra amener moi. Du moment où on saisit une propriété mal gagnée, et ce qui est au bout de sa chaîne-là, il y a une compensation pour une victime qui souffert dans sa une activité illicite-là. Mm-hmm. Et du moment qu'il peut démanteler ça, l'économie parallèle-là, et comment il peut amener sa richesse-là et distribuer-la finalement. Est-ce qu'il peut pas faire-la? Alors, l'argent qui gagnait quand la Cour de l'Unexplained Wealth, le juge de la Cour suprême, lui, pour petit là, lui rentre dans « the agency », Cut Nub and Liquidator. Liquidator, là, il réalise assets-là. L'argent, là, il rentre dans National Recovery Fund, qui servit pour deux choses principalement. Un, c'est pour qu'on pense tout ban victime de ban white collar crime. Nous finissons tellement car Maurice, Sun Kai, White, Dut, etc., que du monde perd du casse. Mais ça, c'est une façon que quand on gagne l'argent, on est capable de servir ça pour rembourser du monde qui perd du casse avec sa ban arnaque qui finit dans là. Deuxièmement, ou capable de servir à cela d'après la loi, to alleviate poverty in Mauritius. Ça veut dire pour ou aider à combattre la pauvreté à Maurice. Et tout ce bon compte, annual accounts, annual report, c'est qui ça, agency là, faire, le table devant l'Assemblée nationale. Et en plus, l'audité par le directeur de l'audit. Alors, il y a une transparence totale. Bien sûr, quand nous persions, nous qui nous parlons, nous parlons. Mettant la loi qui vont empêcher enrichissement injustifié, unexplained wealth, mais nous aussi, bizarre, c'est nous qui l'argent qui nous gagnait, les servis à bon escient et les fully accountable. Et ça, la loi la permet. Si je reviens juste loin, point, comme on peut expliquer, electronic residence. Très important, ce projet-là. Et nous peut travailler là. Moi, si nous récits, mettant qu'on sait pas Maurice, que ou faire. Ou population sur un point des millions, 20 millions électroniquement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pas physiquement présent dans Maurice, se paye dans le passeport mauricien, paye dans le gouvernement pas payer rien en termes d'éducation, la santé, et tout le monde dépense qu'il y a un gouvernement bien fait, mais seulement ça, des gens-là, ils ont contribué dans l'économie mauricienne. Après qu'ils ont fait une application online, les autres computers, n'importe quoi, ils ont assisé dans le monde, ils ont, bien sûr, et dans tout ce due diligence, KYC, avec tout ce vetting qu'ils font, il y fait pas une software. Software là donne du monde là d'accepter l'application du monde avec un électronique résident dans Maurice. Mais imaginez nous, ça du monde là, il est capable d'ouvrir un compte bancaire à Maurice, il est capable de commencer une compagnie à Maurice, remotely, hein, électroniquement, il est capable de faire man business startups. Et en plus de ça, si Jimmy ou non, ou man projet Smart Cities, que vous avez tout man appartement, qui est un peu pareil comme IES, RES, mais ou capable gagne man electronic residence qui a acheté un appartement dans Maurice avec bien sûr un man incentive qui peut mettre là-dedans, mais il peut prendre l'économie Maurice dans un an, des ans, il peut propeller dans l'autre dimension. Vous connaissez combien la banque peut établir Maurice, combien business pour Marseille,
nous l'économie dit pour tripler, quadripler dans l'espace, un petit espace et de temps. Pour faire ben l'avantage, vous êtes capable de faire ça? Absolument. Nous travaillons tout ça, le packaging, incentive, etc. Mais je pose la question, Kevin. Est-ce que vous êtes capable de mettre un scheme comme ça en place pour faire où l'économie grandit quand on a une topographie qui n'est pas uniforme, qui n'est pas flat, que on a du monde peut vendre la drogue, puis l'acheter propriété dans Maurice, puis l'acheter du bien dans Maurice, que du monde peut faire fraude, peut faire corruption, que du monde peut prendre bribe, du monde n'est pas en milieu, qui se peut débalancer toute l'activité économique d'un pays, tout bon économic indicators peut fausser, que ce soit l'inflation, que ce soit prix terrain. Mais c'est ça la loi, la puissance, tout ça. D'accord. Et nous avons une question du public à la région, Fessier, qui nous gagne beaucoup d'appels. Sylvana, Encore une question, c'est plus une opinion. C'est un habitant de Saint-Pierre qui nous téléphone, qui dit à nous, il est d'accord avec la loi là, mais il estime qu'il commence avec un politicien, ancien et nouveau. Il est content de au point de vue là. Mon point de vue, c'est que tout le monde est honnête. Si on a du monde qui est malhonnête, qui est politicien ou autrement, les poubis sont capables d'expliquer quand il y a un casse, quand il y a l'acheté un terrain, quand il y a l'acheté un bâtiment, quand il y a l'acheté un Mercedes SL Clause, je ne sais pas qu'ils ont fait. Acheté. Montagne, par exemple, Shakil Mohamed qui dit que ça, la loi-là, il ne faudrait pas une rétroactivité, des points de vue politiques, etc. Mais OK, si l'opposition dans Maurice, que ce soit le MMM ou le Parti travailliste, pensait que ça, la loi-là, ne faudrait pas appliquer à politiciens, mais quand la loi là pour débattre dans le Parlement, il vient le committee stage, mais moi invite d'autres, venez qu'une proposition. Venez qu'une proposition dans l'Assemblée législative, dire à la population mauricienne qui vous parlez que la loi là servit comme un outil politique, ou parlez qu'il applique à un politicien, et en tant que ministre concerné, moi, je considère la proposition là. Mais moi, je pensais tout du monde pour bien répondre quand j'étais dans l'argent, que je n'étais pas capable d'expliquer, je n'en risque pas. Au détriment de bande du monde honnête dans sa pays. Et justement, de vous exposer, où tu dis aussi que ça, la loi-là, il peut jeter les bases pour la loi éventuelle qui est capable de venir le financement politique. Absolument. Ce n'est pas ce Good Governance Integrity Reporting Bill qui nous permet. Quand nous disons nous permet la bonne gouvernance, la transparence à Maurice Kevin, Good Governance and Integrity Reporting Bill, c'est une innovation dans le système qui tient en Maurice pour gagner un résultat très vite et remettre la société dans sa contexte qui a été là. Réamène, c'est même qui s'en est dans l'intérieur. Qu'il y ait discipline, qu'il y ait travail, valeur, principe, moralité. Surtout moralité. Donc, qui nous ne pouvons pas attendre ça, puisque la loi peut venir, notre the next one. Alors, moi, je peux dire où le next one qui peut être là. Ouais. Next one, c'est Declaration of Asset Act. Alors, nous pouvons travailler l'amendement, le Declaration of Asset Act, qui le Premier ministre lui-même va amener devant le Parlement, pour inclure tous les senior public officials, tout man juge qui se tout pour besoin déclare ta assets. À ce moment, besoin une question. Mais quand tout ça man du monde là, il déclare ta assets. Mais puis n'a aucun trac. Alors on explique wealth. C'est la loi là. Parce qu'on déclare assets là. Si dit mais pose une question, ça l'agence là pose une question. Mais on est que dans vous de nos déclarations d'avoir qui on fait. Alors ça c'est une chose. Suite à ça, nous dire qui nous permet une Financial Crime Commission qui pour harmoniser, créer la synergie dans tout le monde des autres institutions qui est là. Que ce soit l'ICAC, FIU, Asset Recovery Agency. Parce qu'il très souvent nous trouvait qu'il y a une dichotomie. Et non, un système que chacun reste dans tout d'ivoire. Et finalement, ce n'est pas un criminel qui bénéficie. Parce que là-bas, là, il y a la loi criminelle. Ici, la loi civile. Et quand vous mettez Financial Crime Commission, qui est un apex body, un umbrella organization, et bien directeur, ça va dans l'organisation là pour assise dans sa commission là-haut, avec un chairman qui peut apporter pour ça, mais il y a là où prenant la synergie qui peut développer ça, la loi là, ça aussi Financial Crime Act pour venir. Pas si ça. Nous avons Freedom of Information Act qui nous promet pour nous amener aussi. Nous avons la loi au financement d'un parti politique. Ça aussi nous peut amener. Là, c'est la loi qui nous peut passer Good Governance Integrity Reporting Bill là, comment ça, membre du public là, nous pose question. Mais tout de suite, il n'est pas affecté tout bon politicien. Ou quoi, ou qu'il y a un politicien qui vous dit comme ça, qui m'a gagné une donation avec ban du monde qui t'y croit, qui commence à dire, moi, pour gagner une élection, que ça me donne de moi beaucoup casse, mais moi, j'ai acheté 10 terrains, moi, j'ai acheté 5 campements avec ça. Mais comme vous dites, moi, je l'explique, il vous l'explique sous cela. De nature, là, vous expliquez ça, vous, là. Exactement. Premièrement, du monde, là, vous a expliqué, et c'est lui dire, un tel donateur, vous l'expliquez.
Mais ou pas fini adresse financement parti politique ce problème-là. Deuxième affaire, prête non. Quand un politicien, ou bien vendeur la drogue, n'importe qui il y était, ou soit une fraudeur, il prend une affaire, il met le nom prête non. Mais ou pas connaître pour que ça n'a ça. Ou connaître prête non là, parce que vous trouvez ce nom. Ou appelle-le, ou dis-le comme ça, ou écrit-le, pardon, pas appelle-le, écrit-le, demande une explication. Il n'est pas capable d'expliquer ça devant la Cour suprême. Il a expliqué devant la Cour suprême. Sure. Mais là-bas, prétendons-là qu'il est pour dire, écoute, il y a un casse pour lui faire ça. Mais là, ça dit bien là pour saisir. Dit bien là qu'il a été saisi, à cause de ça, prétendons-là, pas qu'il a expliqué, ou qu'il a trouvé un autre du monde qui peut s'y pleurer. Parce que dit bien là, tu peux lire ça, au fait. Et Ravier Gadou, ou confiant qu'il tout ben God fou, il mettait dans sa loi-là pour qu'il personne ne passe dans sa filée-là. Il me donne l'assurance au peuple mauricien. Tout ban safeguards constitutionnels, inrespectés dans sa loi là, et qui n'y pas enfreint aucun principe séparation pouvoir. Et c'est avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de sérieux qui nous parviennent sa loi là. Encore une fois, l'objectif c'est mettre de l'avant une valeur essentielle pour fondement une société démocratique importante. D'accord. Travail dire, discipline, l'intégrité. C'est ça une valeur qui, moi en tout cas, comme on grandit, mon grand immune, mon maman, papa, il n'a qu'il que moi, c'est une valeur là. C'est une valeur dans laquelle sa gouvernement la croit et nous envie que tout immune dans tous les coins et recoins de sa pays là réalise que c'est seulement si vous êtes honnête, si vous êtes intègre et si vous travaillez dur que vous pouvez réussir dans le pays. Sylvana, quelques questions du public. Oui, nous vous prenons une question, mon invité qui est également avec nous sur le plateau. Nous avons Kavi Naubat Singh qui est chargé de cours à l'Université des technologies. Donc, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, c'est bon, allez-y, c'est bon. Oui, bonsoir, madame du plateau. Je vous félicite pour la présentation du projet de loi que vous proposez. Merci. Bien sûr, il y a un peu mal qu'est-ce que tu as dit avant de venir sur le plateau. Et il y a une question qui vient de la Suède, Norvège et Danemark en 2012, qui a un peu causé un peu mal de faiblesse. La loi qui vient de cause de good governance and integrity. Mm-hmm. Et je pointe out trois faiblesses, mon pensée. L'honorable Biden parle un peu du political financing. C'est un peu un big issue, still, en 2012, dans ces 23 pays-là. Mm-hmm. Public procurement, c'est un autre issue. Mm-hmm. Et protection of whistleblowers, ça fait mention à la Suède. Et actuellement, en Kenya, il y a un étude qui peut commencer par le Ministry of Justice, avec l'assistance de l'Allemagne, oui. Qui peut venir. Dans le même dos. Et mon pensée, Maurice peut prendre un peu de way ahead, de way forward pour venir avec ça. Et bon, écoute, mon pensée, on répond un peu au political financing, mais dans la pratique, est-ce que vous pensez toujours défendre. La première étape a été franchie. Avec le Good Governance Integrity Reporting Bill, il y a une transparence en ce qui concerne le financement d'un parti politique aussi, parce qu'il y a un politicien pour prendre sa casse-là pour la stand property. Dit, mais il n'est pas capable d'expliquer, mais il est là pour petit là pour le saisir par la Cour suprême. Ça, c'est une étape, mais pour un substantive project bill qui vous préparez par mon collègue l'Attorney General, et qui, ce gouvernement, il prend l'engagement devant les peuples pour lui amener, avant ce mandat fini, nos partis politiques, ce financement. Ça aussi, pour venir. Mais très vite, laisse-moi dire sa camarade-là, il est bon qu'il dit qu'il nous peut lead et nous peut get the way forward. Parce que c'est exactement ce qui m'a dit à mon consultant, comme m'a dit, je travaille sur la loi-là pour la bonne gouvernance et pour promouvoir l'intégrité à Maurice. Ce qui m'a dit à eux, et aujourd'hui, m'a dit à la population, m'a dit comme ça que nous visons un pays que nous set the way, que nous venons avec des affaires innovateurs, que nous pouvons montrer au monde entier comment Maurice peut venir une plateforme transparente, une plateforme of substance. Et une plateforme qui est conducive pour l'investissement FDI vient dans ce pays-là, l'investissement étranger. Et Moka Diaou, l'autre jour, je suis ministre des Finances saoudien. Quand nous avons parlé, je vous explique justement le Good Governance Integrity Reporting Bill. Il est tellement impressionné qu'il dit, moi, si Moka donne une copie de ce bill-là, pour y aller donner ça au prince de l'Arabie saoudite. Et il a le même téléphone pour dire, moi, comme ça, que le prince, quand il a ça, il trouve ça extraordinaire. Et évidemment, c'est justement sa qualité plateforme-là, même qu'ils ont érodé pour être capable d'investir. Et là, je ne pense pas investir dans Heritage City, je ne pense pas investir dans côté Cruise Lines avec beaucoup d'autres projets encore. Alors, ça, c'est the benefits of having such a system. Parce qu'il peut montrer le monde entier qui, ou un pays qui peut envie faire bonnes affaires d'une façon correcte, d'une façon transparente, d'une façon honnête.
contrairement à tout ce qui n'arrive Maurice dans le passé, avec tout bon rapport qui nous gagnait avec liste noire, un système qui nous déroule avec l'un goes round tripping, etc. C'est toute une perception qui nous fait changer dans moins qu'un an, là, hein? Dans moins qu'un an depuis sa gouvernement l'année venue. Donc au niveau de l'indice OCDE, nous avons une moque 20 points si nous... Pas un moque 20 points, quand nous dans l'Estonie, l'autre jour, nous causons que l'Estonie nous expliquait qu'il peut faire dans Maurice, mais avec l'aide de l'Estonie, tout de suite, il fait tiers Maurice sur la liste noire qui t'y mettait par la Commission européenne. C'est un achievement extraordinaire qui vient dans très peu de temps. Mais en plus de ça, c'est qui, nos camarades indiens, leading the way. Connais, sa gouvernement a une vision. Il n'est pas juste qu'il nous vienne au pouvoir, qu'il nous peut résoudre ban problème au jour le jour. C'est qu'il appelle ban quick fix. Finding quick solutions to existing problems. Nous peut guetter, zodi qui vous a fait pour pays là, dime qui vous a fait pays là, et plus nous peut guetter en termes l'avenir de la génération future des Mauriciens. Et c'est qu'il nous peut mettre comme en plateforme. Il peut rester pour tout le temps ça. Et là, ce que vous trouvez, ce qu'ils m'ont dit, c'est nous besoin lead. Trop beaucoup de temps, nous prenons la loi qui existait partout, copy-paste, vini et coller. Après, il est là, dire, ah là, il a une passe de la loi de Maurice. Sa fois-là, il fait une réflexion, il assise, il comprend le problème qu'il y a dans la société mauricienne. Il se trouve une solution pour capable de redresser ce problème-là d'une façon efficiente, efficace et vite. Nous trouvons qu'il y a un système civil avec un civil order, il est beaucoup plus rapide. Nous trouvons qu'il y a un unexplained wealth order qui applique à property, qui est beaucoup plus efficace, qui va poursuivre un dimoun ou suivre un système qui prend 15 ans. Vous connaissez un vendeur de la drogue, laissez-moi dire, vous êtes avocat, vous connaissez un peu comment ça va passer. Un vendeur de la drogue, il y a, même si un récit trouve coupable, vous mettez dans la prison. Quand il saute là-bas, il vient. Tout ce bon property qui est nasté avec sa bonne l'argent qui est mal gagné là. Il est au nom de dimoun. Et comment il retourne, il vient un maharaja. Il commence à jouer tout ça dans la pauvreté là. Et vous connaissez qu'il est capable de faire, il est capable de resservir sa ressource qui est là, il recommence à vendre la drogue encore. Mais qui veut dire qu'il nous système pas typé mort, c'est un politicien corrompu. Combien de politiciens corrompus, je ban assets, du monde, une récit identifié, une récit trouvé, et finalement, une récit aller reprendre ça à cette qui sort de la corruption là. Fraude, mêmes affaires. Nous sommes d'accord, qui depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous avons un système qui panne permet ça. Et dans les derniers 10 ans, ça qu'il tient qu'il développe là. Mordaille, tracer, couper. Ou prendre Zenès aujourd'hui, entre l'âge 20 et 25 ans, mais l'Ingon dit ça. L'Ingon est besoin d'être ministre pour un travail. L'Ingon est besoin d'être député l'endroit pour aller faire tel démarche. L'Ingon est capable de trouver un chemin coupé pour aller faire tel tracement. L'Ingon fait mordaille. Mais il l'a pour ça qu'il tient là, arrêter dans nos pays. Nous pouvons réamener une bonne valeur qui est bizarre pour qu'il nous capable de même développer le pays là pour le divan. Ça, la loi là. En 5-6 phases, licence tout un pays sur fonctionnement, pour le mieux, pour le bien de tout le monde. Alors rapidement, une dernière partie, la question de notre ami dans le public, l'Urban Whistleblower, qui protection est là pour vous? Alors, nous pas l'appeler whistleblowing. Whistleblowing, il en a beaucoup de connotations positives et négatives aussi. Moi, j'invite tout à être clause 20, il appelle Protection of Persons Making Reports. Et tout le monde qui fait un rapport génuine, il y a protection sous ça, la loi-là. Pareil, comme a dit Moun, si on veut faire victimisation, par exemple, ou bien, par jalousie, comme on va aussi dire, on va faire un faux rapport. Il est taken care of dans section 20. Sylvana. Nous avons des Moun qui nous téléphonent, qui posent plus ou moins la même question. En fait, un certain pâtissier, il dit qu'il est déjà en travail, il travaille dans une compagnie, et ça lui dégage ses revenus, mais il fait un petit side business, donc il y a un petit business gâteau, et ça lui fait un part-time pour lui joindre les débuts, oui. Et il n'est pas déclaré. Nous avons des questions similaires, il demandait qui peut arriver dans ce cas. Non, mon père dit que ça, la loi là, quand nous pouvons faire nos discours dans le Parlement, il nous explique l'objectif de la loi et tout, c'est ban dimoun qui est dans ce qu'il appelle ban richesse injustifiée, unexplained wealth. C'est pas pour ban dimoun qui pâtissier ou bien qui peut faire un petit side business. Mais seulement ça aussi, je vous bien connais qui, si je t'en vie, protège, qui dit mais personne ne peut pas venir poser aucune question. Mais c'est simple, ou bien déclare ou income qui vous gagnez. Comment tout citoyen, parce qu'il y a injuste, qu'une partie du monde honnête dans Maurice paye taxe, une partie du monde, je te fais un petit business, après je ne te paye pas taxe. Ça a même tracé coupé là, ça. Je vous bien déclare income là. Quand vous déclare income là, il vient explain wealth, puis il n'y a aucun problème. Mais seulement ça, la loi là, je peux dire, je peux redire, parce qu'il y a tellement de monde qui peut cause un langage qui fausse, des hauts,
qu'il n'est pas applicable à tout ce qu'ils appellent lower class, middle class, dans Maurice, bande de monde qui peut travailler, qui peut tracer pour joindre des bouts. Pas ça l'objectif. L'objectif, c'est ban gros morts sans la drogue, ban gros voleurs, ban politiciens qui ne coquins, comme on nous connaît, non? Tout ça, ban du monde là. Nous avons aussi un téléspectateur qui pose la question, est-ce qu'il y a un Mauricien qui est établi à l'étranger et qui finance une propriété dans Maurice, est-ce qu'ils sont concernés? Non, du tout, parce que, comme on dit, si il y a un étranger, la loi là, il applique à un citoyen mauricien. Mais si il y a un Mauricien qui est à l'étranger et il y a un asset ici, et bien sûr, la loi ne peut pas appliquer pour lui, mais il peut bien donner son explication si il y a une explication. Pareil, comment tu dis monde faire. Et s'il ne passe pas la banque pour lui, avocat pour y acheter, mais il n'y a aucun souci. Parce que la banque, c'est un autre système. Système côté d'une suspicious transaction, il y a un FIU. Il n'est pas applicable à la loi. Là, là, là. Nous avons aussi Joseph de Cassie qui demandait est-ce que Maurice pas pourrait tomber dans l'époque 75-80 que tu peux payer pour des clauses de casse. Payer pour des clauses de casse? Oui, payer pour des clauses de casse. Non, Maurice en 2014, sous année, en 2015, sous un niveau Jagnat, c'est un environnement très transparent qui nous permettait et qui lie avec tout le principe de bonne gouvernance. En 75, nous tout, enfin, du monde qui la connaît, comment tu étais, qui tu étais 4 jours à Paris, tout ça là. Et puis, taxe, pas de 15%. Taxe le taux aujourd'hui à 15%, très transparent, très clair. C'est pas le même pour taxe du tout. Donc, nous pas qu'à comparer. C'est à l'époque, tu faisais payer 70% taxe, toi, Maurice. Hein? Mm-hmm. C'est du monde ben, ancien, pour rappel. En tout cas, nous arrivons à la fin de l'émission. Madame Romina Jadou, John Bokos. Maintenant, nous connaissons qui le 4 et le 5 décembre pour une présentation, deuxième lecture de ce bill, fameux bill qui nous peut discuter aujourd'hui. Et le 1er janvier, si tout se passe comme prévu, normalement tout se passerait comme prévu selon vous, et donc le bill pour voter, il pourrait rentrer en vigueur, n'est-ce pas? Effectivement. Effectivement, et du moment qu'il finit passer, et nous très confiants les pour passer, parce qu'il répond ce qu'il nous peut gagner jusqu'à l'heure de Bandimoun, c'est ce pays content, ce pays encourage nous, parce qu'il se peut dire, c'est ça même, c'est expectation qu'ils tiennent de nous. Quand nous peut dire mettre l'eau dans le pays, c'est justement des affaires comme ça qu'il nous peut dire, mettre les choses comme il se faut, pas créer des catégories du monde, que t'es dans du monde pour capable venir, pour capable acquérir à travers ben mal gagné et les autres camarades li pour travailler sur ce voisin li pour travailler dur li pour payer taxes et li pas pas capable faire rien et il trouve ce camarade de l'autre côté ce voisin paye gagner paye à ces bandits bien parce que finalement quand nous amène des balas nous retourne le tout nous retourne le bill c'est quoi c'est comment nous dire good governance and integrity nous cause la moralité la constitution même prône la moralité section 8 l'idée comme ça quand au pire aller au pire prendre du bien de Andy Moon ou capable prendre dans certaines circonstances et une des bandes circonstances qui les causent c'est justement public morality public welfare public good mais quand on get ça bill là en lui-même, le tout, de tout ce aspect. Ou bien un aspect que l'IGOD lit clairement à l'exécutif, l'IVIN inspecté, et la deuxième étape, l'IVIN dans le judiciaire. Puis il y a un moment que tu es capable de dire qu'il est pour père, parce que l'île Maurice lui fait confiance. La justice, les faire confiance, le judiciaire, nous faire confiance, surtout nous, le juge de la Cour suprême, qui l'a depuis tout le temps, hein, depuis la Constitution. Donc, l'île Maurice, à n'importe quel moment, il peut avoir son recours à la Cour et en même temps, nous peut créer, nous peut enrichir sa the meaning de un welfare state. D'ailleurs, le ministre finit expliquer comment. Quand nous allons saisir nos récits suite à une loi de la Cour, s'il vous plaît, ouais. Nous pour récits et mettre un wealth order, nous pour capable prendre ça du bien de la personne là, les pour venir dans un fun, côté sa fun là pour bénéficier d'une victime. Donc c'est l'épitome de un welfare state. C'est pas blanchiment d'argent, ça là, c'est tout à fait l'envers. C'est retourner l'argent à le peuple. À the end of the day, qui nous peut faire, nous peut retourner l'argent à le peuple et nous peut faire this ban taxpayers payer pour ban fraude, mais ça ban dimoun qui ne commet fraude là même, c'est eux qui l'argent qui peut venir, qui va pas qu'à expliquer, excuse-moi, pas qu'à explique ça ban l'argent là et provenant, quand je vais pas expliquer, évidemment, provenant de ban activité illégale, etc., de ban gain qui nous pas capable de justifier et qui disproportionné, c'est là, nous dit libre, retourne ça l'argent là, le peuple, c'est ça le système qui s'habille là, puis amener. Si vous êtes capable de summariser, comment nous dire, ouais. Dans le langage de tout le monde. Rapidement, nous prenons une question de monsieur dans le public. Bonsoir. J'ai une question.
peut-être qu'à... Bonsoir tout le monde. En fait, on a une question au niveau de Unexplained Wealth, section C. Normalement, il définit comme quoi, comment le ministre Lynn évoquait. Prête, non, voilà. Est-ce que la loi prévoit quelque chose comme si quelques sanctions envers certaines personnes-là, étant donné certaines complices dans le domaine comme si... Non, c'est une loi au civil. Oui. C'est une loi contre property, il n'y a pas une loi contre Jimoun. Système criminel qui compte Jimoun. Ici, ce qui peut arriver, c'est que si ça prête non-là, bien sûr, il n'est pas capable d'expliquer que ça leur en a sorti, là, la cour peut mettre un load pour saisir ça dit bien là. C'est ce qui ça la loi l'a fait. Il n'est pas contre Jimoun. Dernier mot, peut-être avant nous termine l'émission, présentation en deuxième lecture en décembre, au début de décembre, monsieur le ministre. Mm-hmm. Et puis, si la loi est votée, donc promulguée au début de l'année prochaine. Entre-temps, mon pensée, ou pour multiplier les exercices de communication pour informer le public, justement, comment ça la loi-là y était et qui ça n'a l'IPV exactement. Est-ce que vous pouvez continuer dans un forum comme hier ou différent? Absolument. Nous finissons dans un forum hier. Aujourd'hui, nous avons un MBC. Nous finissons en bande d'intervention sur la radio et ça pour continuer en bande radio privée aussi. Mais, Selvina, pour dire où la vérité, vous pensez que le public comprend très bien. Mm-hmm. Le public connaît que le gouvernement de Sanuru Jagnat peut faire un travail pour ça et nous pouvons continuer à faire ce travail-là. Malgré qui quantité fausseté de Pouvindien, n'importe qui affaire qui vient critiquer. Il n'y a pas du tout diminué nos courages parce qu'il nous n'est pas les peuples. Pour les peuples, nous vous faire un travail qui est bizarre. Et nous sommes 100% sûrs que la population peut soutenir nous à 100% quand nous pouvons faire un bon travail. Alors, du pain sur la planche pour vous, Ravi Yerigadou, Declaration of Assets Act qui est en préparation. Nous connaissons à ce stade que tout est arrivé dans le travail là, rapidement. Pour l'instant, au niveau du Declaration of Assets Act, il y a un comité interministériel présidé par le DPM qui nous met sur pied. Nous pouvons peaufiner cela. Permettez-moi de rendre un hommage à tous mes collègues au parquet, qui, malgré qui nous un peu de staff en ce moment, mais c'est avec beaucoup de courage et détermination nous travaillons, et nous saluons les autres bien bas. Travail pas fait nous père, nous n'est li pour travail, et nous pour travail pour amener un résultat qui bizarre, en toute humilité, en toute transparence et en toute intégrité. Et Madame Robina Adjadou, John Bocus, ou personnellement, comment vous pouvez participer dans cet exercice communication autour de la loi? Bon, nous finissons une discussion qui d'ailleurs nous fait au niveau du parti. Nous avons une réunion parlementaire quand nous discutons de la loi qui peut venir de l'avant, quand nous sommes capables de donner nos opinions, nous donner nos contributions, parce que quand même comment chaque député les représente sa circonscription, donc il ramène vu sa circonscription dans une réunion pareille. Et nous finissons participer dans le débat, ensemble avec le ministre, le Attorney General et plusieurs autres avocats. Et donc, quand l'exercice là pour continuer, bien sûr, nous pouvons continuer à participer là-dedans. Voilà, donc nous arrive la fin de cette émission. Merci à tous les invités, Monsieur le ministre Roshi Badin, merci Madame Chadou John Bocos, Monsieur Ravi Yerigadou, le public qui était présent, et également Sylvana ou même Sylvina, et toute l'équipe qui fait le travail à la réalisation de cette émission. Merci. Merci, merci. Bonsoir. Merci. Au revoir. Bonsoir. We'll be right back.